Tous. Est-ce que t'as lancé toi aussi, Charlie? Ouais. Ok. Enfin, je viens de le faire. Cool. Nous Eh entend-on? ben, oui, c'est vrai, tiens, ça, est-ce qu'on nous entend? Est-ce que le son est bon? Vu les multiples problèmes qu'on a eus. Coucou, super Picaboy. Hein. Il n'y a que toi, c'est ça? Ah, Quel cool. micro de qualité. Il dit ça parce qu'il a le même. J'en suis sûr. Oh, et il est sur les deux streams en même temps. Ah, il n'y a pas que Il lui. n'y a pas Cool. que Salut, lui. Morphiche. Donc, a priori, on nous entend. Tiens, est-ce que quelqu'un veut bien tester? Je me suis amusé avec mon overlay pour ajouter un truc de follower, Oh, le un mec, message quand il y a un il nouveau gratte des follower. follow gratuits. Non, c'est juste pour tester, voir si ça fonctionne. Est-ce que Follow, ouais, quelqu'un veut bien unfollow et follow ou follow s'il follow pas? C'est histoire de voir si j'ai bien mes alertes. pouce bleu, pouce bleu. Mettez un Non, pouce. non, personne. Ou sinon, c'est que ça marche pas. J'ai entendu le bruit. Bon, on Cool. va me dire que. Du coup, ça fonctionne. On va me Merci, dire que Super c'est Picaboy, bon. pour le follow. Ah, ça lag. Oh non. Bon, bah tant pis. Si ça lag, j'essaierai de regarder pour la prochaine fois. Si ça se trouve, il faut que j'augmente le nombre d'images par seconde. Donc, il y a combien de personnes? Il y a deux personnes là? Ok. Non, il y a un peu plus de monde, je crois. Tiens, je vais essayer comme un foufou d'augmenter les FPS. Vous me direz, s'il y a quelqu'un qui follow, on verra. Augmenter les FPS. Ouais, c'est pour le Ah, pour navigateur. Après, ça l'animation. se trouve, ça va sucer ma connexion. Salut, Akanoa. Bon, alors, on va peut-être commencer par un petit résumé de ce qu'on a fait la dernière fois. Et puis après, on pourra commencer. Tu le fais ou je le fais, Charlie? Je vais le faire. Allez, c'est parti. Mais moi, je sais pas, je vois pas. Tous les gens n'ont pas donné signe de vie, ça me stresse. Pas Mettez grave. un emoji dans le chat, faites quelque chose. Ils ont le droit d'être des viewers de l'ombre. Joueur de l'ombre. Homme de l'ombre. Tout ce que je touche devient de l'or. Allez, c'est parti pour le résumé. Donc, ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est que on était reparti des. Oh, tout ce monde. Ah, Toutes ça y ces est, il y emojis. a des gens qui parlent là, c'est cool. Salut Eddie Mitchell, salut Jacques Skelly, salut Scorex. Eddie Mitchell, j'ai pas Eddie Mitchell moi. Ouais, il est dans mon chat, Eddie Mitchell. Ok. Donc on était parti des Firestore Rules qu'on avait testé, et du coup on avait aussi écrit un article sur le bug de Père Roulette que je vais ouvrir. C'est vrai, on a un super blog pour ceux qui savent pas. Pour en gros quand on utilise Firestore dans le directement dans le navigateur pour qu'on puisse en gros protéger nos données et mettre des règles de sécurité pour que n'importe qui ne puisse pas faire n'importe quoi, et du coup bah, tout ça on l'a mis en place avec les Firestore Rules et on l'a testé aussi pour s'assurer que tout fonctionne bien. Du coup on a fait un petit article avec bah voilà qui explique les règles qu'on a mis en place, pourquoi et comment on les a testées. Donc c'est des petits exemples. Et à la fin, il y a le lien sur le fichier avec les tests en entier. Comme ça. Et il y a aussi un lien vers la rediffusion qui est sur YouTube. Au cas où on perde la vidéo sur Twitch, parce que Ivo, lui, il a toujours la première, mais moi, je l'ai pas. Donc Ouais. du coup, je fais ça maintenant, histoire de d'être sûr d'avoir une backup. Faudrait que je fasse pareil. Salut Lucus. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est la partie roulette, c'est-à-dire que on cherche une personne avec qui contribuer, faire du pair, en fonction de nos préférences et de la disponibilité des gens. Donc on avait fait une première implème.
Et on a continué un peu en offline. On a changé, en fait, on a fait des choix qui différaient, c'est-à-dire que, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était un peu, c'était pas foufou ce qu'on avait fait, vu qu'on découvrait un peu, voilà, comment requêter Firestore. Et on s'est aperçu qu'il y avait, par exemple, il n'y avait pas d'opérateur note. Scores qui comprend pas bien le projet. En fait, le projet, c'est de mettre en relation des gens qui vont contribuer sur de l'open source, c'est-à-dire qu'ils vont tu vas te connecter grâce à ton compte GitHub, donc tu crées pas de compte. À la création du compte, on va te demander de saisir deux trois langages, tes langages préférés en fait dans lesquels tu t'es le plus à l'aise, dans l'ordre de préférence. D'ailleurs, c'est ce qu'on va changer. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu auras un bouton sur lequel tu vas cliquer et qui va rechercher dans notre base d'utilisateurs des gens qui correspondent à ces critères-là. Ça va leur envoyer une invitation et s'ils répondent par la positive à l'invitation, en gros, tu vas pouvoir connaître donc la personne avec qui tu vas coder et après tu la contacteras via comment ça s'appelle déjà la plateforme? Je me souviens plus. Via Guitar. Gitter. Voilà. Parce que pour mettre les gens en relation, faut bien qu'ils puissent échanger entre eux. Donc du coup, on est passé par Gitter qui s'intègre bien à GitHub pour faire ça. Donc l'idée, c'est vraiment de, voilà, de si tu veux te lancer dans l'open source, mais tu sais pas forcément comment ça fonctionne et tout, tu veux apprendre un nouveau langage, bah tu peux faire du pair avec quelqu'un qui va te guider, etc., quoi. Ou tout simplement faire du pair comme ça en remote. On avait un article pour ceux qui intéressent justement, qui résume ce que vient de dire Charlie. C'est le Ah premier oui. article là, qui s'appelle L'aventure commence ici sur le blog. C'est Et vrai. il y a Akanoa qui demandait quelle techno on a utilisé pour faire le blog. Et c'est du Gatsby avec le thème Gatsby Theme Blog. Voilà. Ah, c'est sympa Cool. ça, Scorex, t'as bien de la chance. Ouais. Bah du coup, n'hésite pas. Ton GitHub Handler, c'est Scorex aussi? On pourra jeter un œil, faire un petit tour. Et donc, du coup, la dernière fois, on a bossé justement sur cet algo de mise en relation avec, avec les gens. On a une pull request qui est ouverte avec, avec le code en question. Avec subversion, ok. Oh, j'ai Ah! pas le droit de poster des liens sur ton chat, Ouais. je suis banni du coup. Non, Ok. t'es pas banni. C'est juste un warning pendant 5 secondes. Donc là, GitHub, c'est l'idée c'était Microsoft. que. Ouais. Ouais, c'est Bah ouais. vrai. Donc là, l'idée c'était, on voulait, parce que c'était déjà il y a un peu plus d'une semaine qu'on avait fait le dernier stream. L'idée. Merci, Lucus. Oui, c'est vrai, attends, je vais te mettre en. Comment on fait? C'est C'est vrai. mode, et du coup, il va D'ailleurs, tu es falloir. modérateur aussi sur mon stream, Lucus. Ouais, tu sais, quand tu regardes les projets des gens à Canoa sur GitHub, il y a beaucoup, beaucoup de forks et des petits side projects que chacun commence, bosse 2-3 jours dessus et après lâche l'affaire. Donc là, l'idée, ce qu'on voulait faire, c'était de regarder déjà ce qu'on a fait la dernière fois, est-ce que ça nous va? Ouais. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ou est-ce que c'est bon? Et puis bah si c'est bon, on peut merger ça et on peut passer à la suite, donc un peu d'UI avec du React. Voilà pour le programme. Et oh, Lucus me follow. Et du Mais coup, ça sent le unfollow follow ça. le truc on s'était heurté sur un truc la dernière fois. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on ne savait pas que, en gros, dans Firestore, on ne peut pas utiliser l'opérateur note. Il n'y a pas d'opérateur note, en fait, Ah oui, c'est sur vrai. les queries. Voilà, il y avait quelques trucs comme ça. Et donc, on avait fait une première implémentation vraiment très, très bête. Et donc, on est repassé dessus après. Donc, du coup, ça nous a donné ce qu'on voit là, à l'écran. C'est-à-dire que déjà dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est que quand une personne fait une recherche de pair,
elle se met en non disponible. Parce que s'il y a deux recherches en concurrence, voilà, ça sert à rien que ça apparaisse dans l'autre personne. On veut pas gérer des trucs de ce genre. Donc on va au plus simple, elle se met non disponible, ce qui fait que déjà on n'a plus besoin de faire un note, de nous exclure de la recherche vu qu'on sera plus dedans. Donc déjà ça a plus de sens. Ce qu'on a fait aussi, donc là ça a permis de mettre en exergue un petit point qu'on n'avait pas vu côté fonctionnel, c'est qu'on cherchait, peu importe le langage en fait, on voulait faire un genre de where quelque chose, in quelque chose d'autre. Et ça fonctionne pas. Avec le array contains, on peut faire qu'une chose à la enfin, qu'un item à la fois. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, et donc je pense qu'on va repasser dessus aujourd'hui, c'est quand on précise notre liste de préférences, on la précise dans un ordre. C'est-à-dire que bah, le premier langage, deuxième langage, troisième langage, par exemple, si vous voulez faire du JS en priorité, vous allez le mettre en premier. Après, en deuxième, par exemple, du Go, et en troisième, peut-être du Java. Peu importe. Et l'idée, c'est qu'on va vraiment les chercher dans l'ordre, et tant qu'on n'en a pas trouvé un, eh ben on continue, on fait une autre quête, en fait, tout simplement. Donc là, on voit, on a where available equals true, après on a un where preferences array contains, donc là, le langage sur lequel on est, et on trie tout ça par ordre décroissant, donc le plus récent. Parce qu'en fait, on veut mettre en avant les gens qui viennent de s'inscrire sur la plateforme pour pas avoir l'effet où tu te retrouves, voilà, t'es nouveau sur la plateforme, tu veux faire du pair, sauf que du coup, tu seras pas sélectionné en priorité. Ce serait bête en fait de rester bloqué dès la première utilisation du site. Donc du coup, on les fait passer en priorité avec le tri. Et après, on fait limite 1 parce que justement, on veut qu'une personne et une fois qu'on l'a, c'est bon. Donc on répète ça tant qu'on le trouve. Tant qu'on le trouve Donc on ne le pas. trouve pas. Pardon, ouais. Et une fois qu'on l'a trouvé, bah du coup, on met la personne en non dispo, on récupère ses données, hop, et voilà. Donc c'était là grosso modo qu'on s'était arrêté. On avait utilisé Faker pour générer Les tests. des profils, ouais. Donc ici, on avait créé 30 DOM profile, donc on faisait un fake UID. Ah, Morphiche qui pose une question. Ouais, mais ça ne risque pas de causer le problème inverse où après un certain temps, tu ne seras jamais sélectionné. C'est vrai. C'est possible, mais après, c'est pas figé dans le temps. Donc dans un premier temps, on va faire comme ça. Après, effectivement, on va analyser nos données, voir ce qui ressort, et puis si Parce vraiment il qu'après, y a des problèmes, on ajustera. parce qu'en fait, après, on pourrait utiliser par exemple un last match time ou quelque chose, enfin last match at ou chose comme ça pour faire évoluer dans la suite, ouais. Mais après, dans un premier temps, c'est vrai que tout le monde sera nouveau sur la plateforme, donc on n'aura pas le problème. Et merci à Canoa pour le follow. Voilà. Du coup, j'ai dû. Ah oui, un truc que j'ai fait, c'est avant on faisait bêtement plein de requêtes, enfin une requête à chaque fois qu'on crée un profil. Ce qu'on a Ouais, là fait on a du fait le coup, c'est que batch. maintenant on fait du batch. Voilà. Même si on est en local et qu'on sait que ça pose pas de problème, on a quand même essayé de faire les trucs bien, histoire de voilà, d'apprendre à mieux utiliser le truc. C'est pas bête, Morphiche. Du coup, qu'est-ce qu'il On dit? essaiera de se Le renseigner dessus. matchmaking. Ouais. Ouais. Sachant que nous, les infos qu'on va garder, c'est vraiment le strict nécessaire pour notre fonctionnement. Et juste, on veut vraiment garder des informations sur bah, les matchs qu'il y a eu, etc. Les retours qu'on a pu avoir et analyser tout ça. Donc c'est vraiment. On veut vraiment analyser, enfin, améliorer l'algo, mais en fonction de l'utilisation, quoi. Yes. Du coup, j'ai dû mettre à jour les, on a dû mettre à jour les tests parce que justement, bon, on a mis une seed pour générer tout le temps les mêmes trucs. Mais ce qui est chiant, c'est que on écrit le test mais qu'on connaît pas l'info en premier. Donc, Ouais, c'est moi, ça me ça. dérange un peu, pour être honnête. Mais parce que j'ai eu des cas où en fait, bah, je sais pas pourquoi, j'avais pas le même résultat, quoi. Là, tu veux dire qu'ils étaient Ouais, tu bon vois. reproductibles les tests? Bah, en fait, le truc, c'est que on prenait le premier, sauf qu'on n'avait pas de tri, tu vois, le order by, on ne l'avait pas ici.
Et du coup, le fait d'avoir mis un tri sur la date de création, et bah du coup, ça m'a fait changer le truc. Enfin bref. Du coup, je suis pas hyper fan Faker, je trouve ça très bien, mais là pour le coup, il y a des cas où je suis pas très très fan. Donc là, On pourra les les faire tests. évoluer, hein, les Ouais. tests. Donc là, ils sont reproductibles, donc on va les laisser comme ça. D'ailleurs, je sais pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on merge dans l'état? Est-ce que. C'était quoi que tu disais que tu voulais changer là sur l'algo en soi? C'est le fait de pouvoir chercher que un par un pour les préférences, c'est ça? Bah, c'est déjà ce que j'ai fait en fait. Ouais. Ah oui, non, parce que tout C'est à l'heure déjà tu ce qui est disais. fait. Ok. Et tu voudrais faire autre chose ou ça, ou pour l'instant ça te va? Non, moi ça me va parfaitement. Ok, C'est juste que ça très bien. nécessite de notre côté, quand on sélectionne les langages, que ce soit différent en fait. Qu'il y ait bien la notion, d'ordre en fait. Qu'est-ce que tu entends par extraire le contexte à Canoas? C'est par rapport à ce que vient de dire Charlie, par rapport à Faker? Est-ce que quelqu'un a des remarques à part Morfish qui disait que du coup on pourrait s'inspirer du matchmaking, qui, enfin d'algo de matchmaking pour faire justement mettre en relation les gens ou par rapport à ce qu'on a fait hein. Ah oui, bah ouais, que les tests soient toujours reproductibles. Bah, ça nous arrive rarement parce que justement personnellement c'est la première fois que j'ai tester de générer en fait des cas de test. Et c'est vrai que ce qu'il disait Charlie, le problème c'est qu'on ne sait pas du tout quel est le. Il faudrait prendre le temps en fait d'analyser le jeu de données produit avant d'écrire les tests, quoi. Bah ouais, moi je serais plus à l'aise à générer moi-même le jeu de données, quitte à utiliser Faker pour certains morceaux, mais Qu'est-ce comme qu'ils ça disent, c'est un peu Corex? délicat. Tu fais une requête qui met dans un tableau les gens qui ont à peu près les mêmes. C'est Ouais, pas con. C'est pas con. bah on verra par la suite. Là on fait vraiment un truc bête, voilà, juste qui marche et après on améliorera. Après, ce qu'on pourrait faire, on pourrait ouvrir une issue et vous donner l'URL et comme ça chacun peut donner son avis un petit peu, voir des pointeurs. Je sais pas ce que t'en penses, Charlie. Ouais. Tiens, je fais ça. Du coup, je pense qu'on peut merger, Après, dans l'état, quoi. faut pas oublier que tant qu'on n'a pas une base d'utilisateurs conséquente, ça sert à rien d'avoir un algo compliqué, quoi. Tout à Enfin, fait. compliqué entre guillemets, quoi. Faut vraiment aller au plus simple parce que Après, est-ce sinon qu'on ça n'a matchera pas pas. en fait. Je vais rajouter un label futur. Pour dire que. Futur. Et je crois pas qu'il y a pas... je crois pas qu'il y ait question. Ah si, il y a question déjà. Create label. Tac. Est-ce que GitHub est malin? Et il m'a gardé mon titre. Yes. Du coup, on merge dans l'état. Et je lui mets futur et question. T'entends Yes. quoi par tout random? Bah, il dit juste tu mets en relation avec une personne random. Après, il faut garder Ouais, mais faut garder les le langues en fait. available. Bah, on est obligé de garder les langages. Tu vas pas mettre quelqu'un qui fait du C++ avec quelqu'un qui fait du JavaScript, quoi. Ouais, je suis Si c'est d'accord. pas dans leur C'est un minimum, préférence, hein. Ah, mais c'est. après, outre ce critère-là, tu vois, je pense que le reste, c'est ce qu'il dit, plutôt que se baser sur le created add, tu fais juste Ah du oui. random. Ouais, mais c'est encore une fois, c'est juste voilà une première implème histoire d'avoir un truc qui fonctionne quoi. Du coup, je vous ai donné le lien vers l'issue, donc n'hésitez pas, là, Morphiche et Scorex, là, qui ont fait des commentaires là-dessus, et Lucus aussi. N'hésitez pas à mettre vos. Ce que vous avez dit dans l'issue, histoire qu'on n'oublie pas en fait, et que le moment où on voudra changer l'algo, on pourra se servir justement Et de ce que d'ailleurs, vous avez dit. ces histoires d'issue et tout, ça me fait penser que. Ah, je sais pas si vous avez fait un tour sur le repo, mais on a mis des tags Oktoberfest. On en a fait deux en fait. Il y en a une qui était toute simple, mais en fait, plutôt que de le faire, on s'est dit, bah voilà, on va faire une petite issue, on va voir si ça marche. Et on a quelqu'un qui l'a fait, qui s'appelle. Alors, c'était tout simple. Il s'appelle Circuit Board.
Et c'est qui Aditya Balwani, voilà, qui nous a fait une petite issue, on a fait une petite PR, donc merci à lui. Et on a quelqu'un qui a pris une autre issue aussi. C'était pour, en gros, ajouter l'internationalisation dans le blog. Bah, c'est quelque chose qu'on n'a pas pris le temps de faire. On s'est dit, bah, si quelqu'un est intéressé pour le faire, il y a quelqu'un qui nous a répondu par la positive, qui s'appelle... Parce que ouais, ça a l'air bien d'être son nom. C'est Jaspinder Singh. Alors, je ne sais pas le dire, mais voilà. Merci à lui Bon, aussi. Et si vous est-ce avez qu'on des idées, merge le n'hésitez pas? pas. Bah, si, si, on peut merger. Déjà, faut que je la passe en... En ready for review. Tout à fait. Donc, je pense qu'on va merger en l'état, même si c'est pas foufou. Un des trucs qu'il faudra qu'on fasse aussi et qu'on n'a pas fait sur celle-ci, c'est que par défaut, Firebase va te créer un index par single field, donc pour chaque champ. Mais dès que tu commences à avoir plusieurs clauses where, par exemple, ou des orders, etc., quand tu composes des champs dans tes requêtes, c'est à toi de créer tes propres index en fait. Donc là, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on crée nos index pour histoire d'avoir un truc un peu plus perf quoi. Bon, pour le moment on a que dalle dans notre base, donc ça posera pas de problème, mais on fera un passage là-dessus, on écrira un article aussi. Ça peut être intéressant. Yes. Bon, bah, du coup, ça veut dire qu'en fait, la partie roulette, on a fini pour cette première version. Et du coup, bah, ce soir, ce qu'on vous propose, c'est bah, un peu d'UI avec du React, du coup. Je squash and merge du coup. Ouais, vas-y. Ok. Tiens, d'ailleurs, point info, là, qui dans les chats fait du React? Coucou, Rodan. Je vais mettre Sparkles, mais je suis pas très fan. Rodan, il dit au oh nom du React, le mec qui en fait depuis un an tout le temps. Mais il est un peu perturbé. Salut, Van de Bosch. Cool. Tu fais du vu professionnellement ou plutôt sur ton temps libre? Ah, Akanoa aussi, il est en train de migrer sur Vue. Moi, je comprends pas les emojis Ok, Van de Bouche. de Twitch, quoi. Mais c'est parce que les emojis, tu peux les récupérer d'un peu partout, en Ouais, fait. mais c'est quoi, Kappa? Enfin, M'en fiche, Loul, faites ok, que du mais React. Kappa, je sais pas ce que c'est, quoi. Bah, demande. Moi non plus, je sais pas. Est-ce qu'on peut me cultiver? Parce que là, je suis sûr que alors... Lucus sait, il sait tout. Lui. Tiens, je vais vérifier. Alors, bon, on triche un peu dans le sens où j'avais déjà bossé un petit peu sur une interface pour. J'avais déjà bossé sur une interface pour le projet. Faut juste que je la retrouve, par contre. C'est un morceau d'histoire d'Internet. Ouais, c'est quoi l'histoire? Pendant ce temps-là, j'essaie de retrouver. Du coup, est-ce que je dis ce qu'on propose de faire pour lui, enfin ce Ouais. qu'on propose d'utiliser? Vas-y, vas-y, vas-y. Du coup, on s'est posé la question. Moi, j'avais vu un truc qui avait l'air cool, mais je vais vous en parler. C'est comment ça s'appelle déjà? Chakra UI. Chakra UI. Alors, je sais pas si vous avez vu passer ce truc-là. C'est des mecs qui viennent d'où déjà qui ont fait ça? Je sais plus quel pays. A priori, c'est passif-agressif. Le... C'est quoi, c'est Kappa, ça? Ouais, Kappa. Ouais, des mecs qui viennent du Nigeria, qui ont fait ce truc-là, voilà, Chakra UI. Bon, ce que j'aimais bien dans ce qu'ils présentaient, c'est en gros quelque chose qui est accessible depuis le début et qui supporte le dark mode, etc. Donc ça avait l'air cool. Après, en creusant, on n'a pas été plus convaincu que ça, mais ça avait l'air cool. Donc si vous avez envie de tester, ou de votre côté, bah, allez-y. Il y a aussi
Franck aujourd'hui qui m'a parlé de... Comment ça s'appelle? Oh. Ah oui, Tailwind. Tailwind CSS. Donc, je sais pas non plus ce que ça vaut, ça. Je sais pas si vous connaissez. Qui connaît Chakra 8 a déjà utilisé ou Tailwind aussi? Tailwind en ce moment, bah tiens, à vente de Apparemment, gauche. Vuepress va passer sur du Tailwind, de ce qu'il m'a dit. Loukou, je ne sais pas comment faire sur Mac, pas de mélangeur de son, donc j'essaierai de voir pour la prochaine fois pour baisser le son. D'ailleurs, c'est marrant, parce que j'ai même pas vu. J'ai entendu le bruit, mais j'ai pas vu qui c'est qui a follow. Ou c'est le. Le ping, c'est quoi le ping? Ah, c'est parce que tu m'as pingé que j'ai eu un bruit. C'est marrant. Il ressemble à autre chose. Moi, j'ai rien entendu. Si, moi j'ai du son. Ok. Ok. Désolé, Akanoa. Ah, c'est le follow? Et du coup, c'est qui a follow? Ce que j'ai pas vu. Marrant. J'ai retrouvé. Ouais. Ok. Par contre, juste pendant ce temps-là, il faudrait que tu ajoutes l'URL ngrok dans la console Firebase pour qu'on puisse l'utiliser. Comment ça? Parce que en fait, depuis l'URL ngrok, Ah on ne peut pas se oui. connecter, il faut que je rajoute en. Du coup, Je vais essayer de faire ça à côté là. yes. Bah du coup, ceux qui sont sur mon stream, ils verront ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Mince, ça l'a pas fait où je voulais. Ah, je veux dire que t'as ouvert la console là où faut pas. Non, non, je l'ai pas ouvert encore. Ah, du coup, j'ai pas du tout vu qui c'est qui a follow. J'ai l'impression qu'il est cassé mon truc. Le truc, c'est que vu que je suis passé à Je Brave là relance. aujourd'hui, je suis un peu en train de me reloguer sur la terre entière là. Console.cloud.google.com. Je vais Ça fait essayer. beaucoup de verres, hein. Ça fait beaucoup de verres avec mon overlay plus la page de Père Roulette. Du coup, pour ceux qui sont sur mon stream, et je vais bah, ceux qui sont sur l'autre, je sais pas trop comment faire. Sauf si peut-être tu peux regarder mon stream pour qu'ils voient l'interface, Charlie. Bah sinon, donne-moi le lien. Bah sans local. Ou Ah. faut que je rouvre un ngrok. Trop de Je sais ngrok. pas. Attends, je fais un ngrok. Je fais un ngrok HTTP. Voilà. J'ai l'impression d'être un pirate quand je fais ça. Tac, je le balance là. Est-ce que ça marche? Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est bon, s'il y a bien l'interface Père Roulette que je suis en train de montrer là? Genre Loukous, ou je sais pas. À Canoa, Van de Bauche, ceux qui sont dans le coin. Oui, je l'ai sur mon Ah bah, stream. je vais réexpliquer Van de Donc Bauche. alors, autant. Du coup, ce que Alors en tu fait, veux... ok cool. Donc c'est-à-dire que tout le monde voit l'interface. J'explique l'interface après. Et du coup, le projet en fait, le principe c'est de se dire, bah j'aimerais faire de l'open source. Par contre, tu t'en occupes pour le projet. Et sinon d'ailleurs. Je suis bête, il y a. Si vous faites point d'exclamation nouveau. Ah, j'ai fait une erreur. Point d'exclamation nouveau. Yes. Est-ce que tout le monde voit le message ou il est adressé à une personne en particulier? Non, c'est pour tout le monde normalement. Mais ouais, vas-y, Loukous. Donc en fait. Ce qu'on aimerait commencer par faire, c'est avoir une jolie landing page. Enfin, jolie, ça dépend des goûts de chacun. Hein. Donc là, ce que vous voyez, c'est le petit logo là qu'on a sur le repo là où on a pris ces trois emojis là. Là, on a essayé de les placer de manière un petit peu plus artistique, dirons-nous. Et puis bah du coup en dessous, c'est juste un petit peu de travail de fonte et le bouton de sign in pour GitHub.
Donc ça, c'est ce qu'on aimerait faire sur cette page-là. Et après, ah, je vais pas avoir le droit de... Si, c'est bon. Et après, voilà, là, on garde un bandeau en haut avec juste le titre de l'appli et un bouton pour se déconnecter et revenir à la landing page. Zoomilo! Salut Zoomilo. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on aimerait réaliser ce soir. Donc Voilà. là, j'ai ajouté à Firebase normalement le custom domain. C'est-à-dire que du coup, là, ça y est, je peux... Yes, je peux me connecter. Ok. Et voilà de quoi on part. C'est-à-dire de absolument rien du tout. Donc voilà. Et c'est plus clair. Ouais, ok, cool. Donc Van de Bosch, il dit que c'est plus clair. Merci Lucas. Et puis bah, si tu veux en savoir un petit peu plus, Van de Bosch, bah, il y a le lien de l'article justement dans le Nightbot. C'est marrant, par contre, on a fait tous les deux la commande nouveau et il n'y a qu'un seul message qui est apparu. Il y a peut-être un délai avant que le bot y... pour éviter qu'il C'est réponde quoi trop de la fois. commande nouveau? Ça fait quoi? C'est chez moi, ça Ouais, met je sais juste un ça. petit message où je dis globalement bienvenue et on Ah. travaille sur Pérouette, c'est une plateforme open source et il y a Ok. le lien de l'article en fait. Ok. Du coup, c'est parti, Charlie? Bah, vas-y. Ah oui. Du coup, ce que je disais, enfin moi je parlais de Tailwind et de Chakra UI. En fait, on va rien utiliser de tout ça. On va partir de Normalize CSS. Donc, tout simplement pour avoir. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas. Non, c'est ça. C'est quoi ça? Oh, qu'est-ce qu'il me fait? De Normalize CSS. Je me mets sur le site. Pour en fait avoir un reset. Tout simplement, et qu'on ait bien les mêmes marges, les mêmes paddings, etc. sur tous les navigateurs. Et ensuite, on va faire du CSS à la mimine, parce qu'on a pas grand-chose à faire. Et on va, du coup, pour ça, on va utiliser PostCSS au cas où on utilise des trucs qui sont un peu en avance pour certains navigateurs. Donc PostCSS, c'est Bah, ça. genre typiquement les variables pour certains Ouais. navigateurs, si je dis pas de conneries, Et c'est pas encore le cas. l'autopréfixe aussi, plein de trucs. C'est ce que si on regarde par exemple dans Can I use CSS variables, je pense que... Et du coup, il y a un truc qui s'appelle PostCSS Ah, il n'y a env, je que sais plus quoi, Yeon. là. Preset env. Donc voilà. De la même manière, en fait, qu'on a Babel preset env pour le JS, on a aussi PostCSS preset env pour le CSS. Donc du coup, on va utiliser ça. Et ouais, Et Rodan. Il qu'est-ce qu'il dit dit Rodan? les vrais du CSS à la main. Donc voilà, PostCSS preset env qui est en gros l'équivalent de Babel preset env, voilà, avec tous les trucs, avec les stages, etc. Tout à l'heure, je t'ai peut-être pas bien écouté, mais t'avais dit pourquoi on n'avait pas pris Chakra ou pas finalement? Bon, j'ai dit tout simplement que ça nous avait pas botté plus que ça, c'est tout. Ah ouais, mais Mais il n'y tu avait peux pas que ça détailler, hein. aussi. Tu peux Parce détailler, qu'en vas-y. fait. Juste pour info, on s'est amusé à faire un truc. C'est à cause de Zoomilo d'ailleurs que maintenant je pense à ça. Tant que lui, sur la plateforme ConferenceSol qu'il développe, à chaque fois qu'il veut rajouter une dépendance, en fait, il vérifie systématiquement, je crois c'est sur BundlePhobia, la taille des bundles. Et du coup, il s'avère que Chakra, c'était quand même assez lourd. Donc du coup, on a préféré se dire. Pour notre besoin, plutôt que d'alourdir l'artefact final de notre site, on va essayer de partir sur des choses simples et on fera évoluer en fait au besoin vers des choses un peu plus compliquées. Après, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est aussi un truc CSS et ils sont généralement plus lourds que juste du JS. Et aussi qu'en faisant ce genre de remarque, on s'est dit, bah ouais, bah on pourrait faire tout le site en vanilla. Donc oui, on peut faire tout le site en vanilla. On va pas le faire. Peut-être qu'on finira par le faire en vanilla, mais là, on le fait pas en vanilla. Il y a Donc John Papa qui a sorti un article là-dessus aujourd'hui Ah, il sur dit faire quoi? en full vanilla, mais après à la fin sa conclusion c'est ouais on peut faire des choses mais les frameworks qui font quand même pas mal de choses pour nous et ça aide quand même au quotidien. Voilà, donc peut-être qu'on passera vers du vanilla ou faire comme Netflix, c'est-à-dire avoir une landing page vanilla et puis une fois que t'es logué, t'as tout qui se réhydrate en React, quoi.
Bon, allez, trêve de bavardage. Est-ce que tu me ferais pas une belle branche là? Et GetBem aussi. Ah oui, et BEM, c'est vrai. C'est .com, je crois. Non, .org. Ouais, c'est GetBEM. Enfin, je sais pas. Tape juste GetBEM, normalement, t'arrives dessus. Donc, Voilà. ouais, BEM, BEM, juste le principe, c'est comment nommer nos classes CSS. Donc, il y a une petite page avec naming hein, qui explique un peu comment ça fonctionne. En gros, quand on pouvait pas faire de composants en JavaScript, bah on avait cette norme-là qui existait pour justement donner du sens avec des classes CSS en fait. Définir des blocs, à l'intérieur des blocs des éléments, et les éléments peuvent avoir des états, et voilà. Yes. Bon allez, ça fait quand même bien bientôt 40 minutes là qu'on papote. Bah Je pense vas-y que les mon gens ils ont gars. envie de voir un peu de code là. Est-ce Bah que tu nous vas-y. ferais pas une branche là? Voilà. Attends, il y a un diff. Pareil, Tout. réhydratation à Canoa, tu parles le fait d'injecter les données dans le front direct, enfin dans le composant directement. Ça, je vais l'enlever. Je suis pas sûr de comprendre le terme en fait. C'est moi qui ai parlé de réhydratation avant, mais. Ah ouais, j'ai pas fait attention. Ok. Bon, on va commencer par déjà installer Normalize, non? On n'avait pas des problèmes de save la dernière fois? Non, c'est pas là-dessus. Non, c'était pas là-dessus. C'est point CSS, hein, si je dis pas de conneries. Attends, je vais te dire ça. Ah yes, cool, merci Morphiche. On regardera ça peut-être à la fin, là, si on a un peu de temps. Parce que ça a C'est l'air ouais, d'être un c'est point sujet qui vous CSS. intéresse. Point CSS, ok. Ça a l'air d'être un sujet qui vous intéresse, l'algo du matching. Du coup, on pourra regarder ça peut-être à la fin. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit à Canoa? Ouais, avoir des composants morts et faire un call d'API pour que toute la logique soit côté back. Ah ouais, yes. Bah ça, c'est quand même quelque chose qui revient un peu cette année parce qu'il y a, en tout cas, en React, il y a 1 ou 2 ans, c'était pas le cas. On foutait du Redux partout et... Ouais, Lucas. Bah, c'est juste normal là. C'est pas une vraie lib. Je sais plus du coup ce qu'on a comme fichier. Ça va être. Bon, là, je vais juste lancer Envy. Non, mais là c'est un reset CSS, hein. C'est pas. On peut vous montrer le fichier, franchement. Ouais, on peut aller voir. Bah tiens. Je l'ai juste là. Voilà, en gros, c'est ça. Donc en plus, il y a plein de commentaires. C'est surtout du commentaire en fait. Avec voilà, quelques éléments, avec les fonts de famille qui sont mis. Voilà. Il y a quoi? Il y a Obamo, il y a 349 lignes avec à chaque fois 3 lignes de commentaires, donc autant dire que c'est pas grand-chose du Non, tout. c'est. Et d'ailleurs, attends, est-ce que j'ai pas fait un peu l'idiot là? Ah, très certainement. Non, mais parce que on n'avait pas. Vu qu'on était en workspace. Ah bah oui, on a mis du yarn. Oh, quel Ah, t'as idiot. utilisé Ouais. NPM. Et tu l'as sous les yeux, hein? Tu me fous le bras. Non, mais regarde. Ça C'est y est, pas c'est la grave. bagarre. La bagarre. Voilà. Les charlots. Le chalot, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est la fatigue, on Voilà. va dire. Yes. Je suis bien d'accord, dit Mitchell. À Nantes, nous, on a eu la visite de. Comment ça s'appelle du mainteneur de Yarn et celui qui écrit la V2. Et il y a pas mal de choses qui arrivent et qui vont changer. C'est plutôt sympa. Si ça t'intéresse, ou peut-être tu connais déjà, hein, il y a Berry qui est du coup la version 2. Salut Nesken, je sais pas trop comment le prononcer, 78. Bon réflexe, le point d'exclamation nouveau. Tu nous dis hein, si c'est pas clair ou quoi que ce soit, s'il y a besoin d'explication un peu sur le projet. Sinon, il y a Loukous qui traîne dans le coin qui peut t'en parler un peu aussi. Alors, c'est pas une pop-up Twitch. J'ai fait un overlay en fait juste en HTML, CSS avec un petit back node.
Et en fait, je crois que c'est toutes les 5 minutes que j'affiche le petit message nouveau. Ouais, je crois qu'il y a des changements sur les workspaces et des changements sur les dépendances aussi. Ça a pris sacrément de temps là pour installer Normalize. Je sais plus ce qu'il nous avait dit aussi, Charlie, Je fais comme. des trucs, hein. Les contraintes, c'est vachement bien ça. Du coup, là, je crois que. Ici, alors, si on prend la vraie appli. Mais sinon, tu vois, je pense qu'on s'est un peu embêté. Moi, ce que j'aurais fait, c'est tu vas sur le README de Normalize CSS, t'as le lien, t'as un lien CDN. Ah ouais? T'as raison. On prend le CDN, on le met dans le index HTML et comme ça on l'enlève de notre. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Est-ce qu'on a un truc genre aide quelque part là? Non? Donc après quelle version on prend, je sais pas, y a plein de CDN dispo, il y a Bundle Run, JS Deliver ou Unpackage. Je sais pas ce qui est le mieux. Comment est-ce qu'on fait je laisse regarder ça. Donc Retract App pour D'accord. Bah, où est-ce qu'il y a le head? Et dans le public. C'est dans le public? Ah yes. Ok. Ah yes, c'était ça que je cherchais. Du coup, je vais ajouter ça. Je me Donc, qu'est-ce souviens qu'on jamais, je prend? les écris tellement jamais. C'est quoi ces styles? C'est link rel style sheet. Ah, c'est style sheet, ok, c'était ça que je cherchais. Et href, tac. Bon, j'ai pris celui de la registry yarn. Ça Non, te va non, ou non, non? non. En fait, si Ah, tu vas-y, cliques mets. dessus, Ouais, si tu cliques ça fait une dessus, redirection? bah clique dessus, tu vas voir. Ah, ouais, non, d'accord. Bah, pourquoi est-ce qu'il a écrit CDN lui? Je sais pas, mais en fait, si tu regardes à droite, t'as une liste de CDN, t'en as trois. Donc je sais pas lequel prendre. Le premier au hasard. Quelqu'un a une préférence entre Bah, le premier, il Bundle fait Run. Unexpected Token, donc comme ça. JS Deliver par exemple. Ou sinon, Unpackage. De package offline, je connais pas à Canoa le système de package offline. Il nous en a pas parlé de ça. Mais si, ce qu'il veut dire par package offline, tu sais, c'est avoir les dépendances directement dans les sources. Ah yes, d'accord, ok. Du coup, on prend lequel? JS Deliver? Bah, j'ai le lien si tu veux, je peux le mettre. Ouais, vas-y. Allez, après, faut remettre le lien vers le fichier en particulier. Ok. Ah, non, il n'y a pas permit. Ça veut dire, c'est quoi permit Alors attends, si du coup je recharge là et que j'enlève ça, comment est-ce qu'on voit qu'on a des choses qui nous viennent de normalize? Ah, c'est bon, là on a le margin 0 qui vient de normalize, donc c'est parfait. Ok, nickel. Ça me dit rien permit. Bon, si c'est intéressant comme commande et que le contenu est sympa, on peut la rajouter hein, la prochaine fois. C'est quoi permis? Je sais pas, j'attends que Akanoa y réponde. Alors, on a maintenant normalize. Du coup, dans un second temps, on a dit qu'on faisait quoi? Ah, permis pour demander l'autorisation à un modo pour poster un link. Ok. Ah non, désolé. Ok. Sinon, je peux autoriser le poste de link, j'imagine. Comment est-ce que je vois ça? Modération? Non? Ah, tu le verras, toi, Lucas? Enfin, Lucus, pardon. Ok, donc on a mis normalize. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans un second temps? On avait dit quoi? On Bah avait dit après normalize on et post CSS. ouais
Bon, après, on n'est pas obligé de le mettre tout de suite parce que c'est SS, hein, mais. Bah, ou dans ce cas-là, on n'utilise pas de variable pour le moment. Oui. Ok. Ou alors on en utilise, mais de toute façon, vu qu'on est sur Chrome, ça passera. Hein. Ok. Alors, attends. Où est-ce qu'on est là? Donc là, on a ça, on a la roulette, et du coup, là, on est sur la page de sign-in. Et du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est ça. Donc déjà, on va se mettre un petit titre en H1 dans la login page. Là, on a sign-in. Faire roulette. Pas de tiret. Ok. Ah, c'était le... En utilisant Cloudflare, d'accord. Dans mon chat, Charlie, il y a un CDN vers Cloudflare. C'est peut-être sympa aussi. Oui. Bah après on a pris ceux qui étaient listés par l'auteur quoi. On sait pas, on n'a pas trop posé de questions. J'avais pas géré moi dans la maquette le message d'erreur, donc je sais pas trop comment on fera pour Bah, tester ça en laisse-le pour fait. le moment, c'est Ouais, pas je grave. vais le laisser. Qu'est-ce qu'on commence par faire? Bah, on va peut-être ajouter le contenu qu'il n'y a pas. Oh merde, quel idiot. Ok, donc il nous manque le. En termes de contenu, il nous manque la petite stop phrase là en dessous. Ok. On va mettre ça dans un paragraphe. Ah, il est déjà là, le paragraphe. Comme il y a... Ouais, je vois ça. Ok. Ah, je sais pas le faire, ça. Tant pis. Tu sais, j'essaie d'utiliser l'accent circonflexe là pour revenir au début, mais avec le clavier QWERTY, je sais pas trop comment faire. C'est le temps de s'habituer. Donc là maintenant, on a tout le contenu, si je dis pas de bêtises. Il nous manque le logo. Est-ce qu'on tricherait pas pour le logo? Parce que c'est un peu chiant à faire quand même. Bah, pff, mais juste les emojis. Bah, c'est que du coup, je dois avoir à côté. Je dois avoir le code un peu tout fait de... Merde, je suis con, j'ai coupé le. Yes, j'ai fait l'idiot. Le code du logo. Peut-être tu peux nous créer un fichier logo à côté là pour qu'on puisse réutiliser ça le temps que je trouve le contenu. Bah tu veux pas juste copier-coller ce que t'avais fait en fait? Si, mais je cherche. Du coup, c'est si tu peux nous créer un fichier logo en fait pendant ce temps-là. Un fichier logo. Bah, un composant quoi. Ah. Désolé, j'étais pas très clair. Non, je pensais à une image en fait, je comprenais pas. Non, c'est pas une image, c'est un. Ce que j'avais fait, c'était un composant où après j'avais stylisé tout ça. Hop là, j'ai retrouvé le contenu. Alors, du coup, là, t'es dedans, ok. Désolé, hein, je vais copier-coller ça parce que. Oh Yes. bah ok, j'étais en train de le faire. Ah, je suis Oh c'est désolé. pas grave, c'est pas grave. Donc, du coup, là, on crée le logo. Donc, bah, petit exemple de BEM d'ailleurs. Du coup, en termes de BEM, là, ce qu'on fait, c'est qu'on nomme notre bloc. Donc là, notre bloc, c'est assez facile d'utiliser du BEM avec du React, en fait, parce que globalement, le nom du bloc, ça va être le nom du composant. Donc là, en l'occurrence, c'est logo. Et après, on a des éléments à l'intérieur. Donc du coup, bah, là, on a girl, earth et boy. Du coup, underscore, underscore, suivi du nom de l'élément. Voilà. Et du coup, ce que je propose, c'est de pas faire des CSS modules. Parce qu'on s'en Bah fout. là ça va du coup. Ben oui. Du On n'est coup, on peut pas avoir trop. un...
un style.css et on fait que du BEM dedans et puis il roule. Bah, après, le souci de ça en soi, c'est que tu peux pas avoir. Si en fait dans ton arbre React, tu te retrouves avec deux composants, mais dans des branches différentes avec des noms assez génériques, Ben justement, bah du coup faudra faire c'est. attention au nom en fait, mais c'est tout. Ouais, c'est ça, faut éviter d'avoir deux fois Mais un composant avec le même nom, quoi. après on n'a pas une appli très compliquée, je pense pas qu'on ait vraiment de collision. Hein. Je pense qu'on y arrivera. En tout cas, dans un premier temps, on y arrivera. Ah oui, dans un premier temps, vu que nous on n'a que deux pages pour le moment de prévu, c'est clair qu'on risque pas d'avoir, on n'aura pas ce problème-là, quoi. Qu'est-ce que tu dis, Lucus? Alt Shift 6. C'est C'est pour pour ton faire quoi? dièse, accent là, Ouais, circonflexe. mais tu sais, c'est juste pour revenir à. Parce que normalement, on est d'accord, c'est l'accent circonflexe pour revenir au début de la ligne, mais pas Ouais. tout au début. Ouais, je sais pas, Tout ça au marche pas. début, c'est le zéro. Ouais, c'est ça. Alors, je vais peut-être nous récupérer aussi le CSS. Tu nous fais le fichier CSS? Ouais. Parce que. Bah tiens, il y a un app.css, on peut. Est-ce qu'il est Ouais. utilisé dans le Tu fichier sais app? que c'est déjà ce que j'avais fait, je crois. Ah non, même pas sûr. Non, je vais créer un. Attends, il y a un index CSS. Ah, très bien. Voilà, il y a un index CSS. Hop. Ouais, bah c'est celui-là que j'avais utilisé. Comme ça, c'est nickel. Alors, du coup, ce que j'avais fait là-dedans, j'avais fait ça. On va expliquer, hein. Manque les variables. Ouais. Ah mais oui, mais du coup, elles vont pas marcher là, les variables. C'est. Si elles vont marcher quand même, parce que c'est. T'es sous Chrome. Non mais attends, là, on a tout dans ce truc-là, et en fait, ça ensemble. Moque un peu pour le moment. T'as failli dire autre chose. Attends, moi je suis un gars poli, hein. Ok. Ouais. Donc là, ce qu'on a fait, on a déclaré donc des variables CSS pour les différents éléments, donc la taille du logo, la largeur du logo et la largeur de la terre, la largeur et la hauteur d'une personne. Ok. D'ailleurs, je me pose une question. Pourquoi il y a tout le temps besoin de mettre deux points en route là pour déclarer les variables? Bah je sais pas, c'est comme ça. Ok. Je sais pas. Si quelqu'un a la réponse, ça C'est pour qu'elle m'intéresse. soit déclarée de manière globale, je pense. Ouais. Ouais, mais on aurait pu les mettre en dehors, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas, c'est. Ce serait Ah! sympa, je pense, de M'en fiche qui dit savoir qu'il le n'y en a choix. pas besoin. Mais alors Ah. pourquoi dans les exemples contre eux, il y a toujours ça, s'il n'y en a pas besoin? Si je fais ça, ah, tu vois, il est pas d'accord là, mon Ah oui, éditeur. dans Tu vois, il est logo pas d'accord. directement. Ah, dans logo, ah, mais si je les mets dans logo, elles seront plus accessibles à l'intérieur de Earth, Girl et Boy. Il faut que je les remette à chaque fois, quoi. Ah, elles seront accessibles quand même. Bah c'est Genre, si je les mets bizarre là. là. Ouais mais ça a peu de sens, je comprends pas. Mais c'est Attends, encapsulé de quoi? on va tester, hein. Alors attends, déjà on va se rajouter le logo là ici. Comme ça on va pouvoir voir déjà quelle tête ça. Ah, quel idiot. Tu l'as fait en import nommé, hein? Ah oh, bah oui, je crois. Bah j'ai rien fait, c'est toi qui l'as fait. C'est vrai, j'ai copié-collé. C'est le fait de copier-coller ça. N'importe quoi. Du coup, si je regarde, bah Je oui, le ça a l'air de vois. marcher. Ça a l'air de marcher ce qu'il nous dit Morphiche là. C'est encapsulé, mais si tu mets dans route, ça revient à mettre dans point HTML. Et c'est du coup, c'est encapsulé, mais je comprends pas en fait. C'est encapsulé à quoi? C'est encapsulé au fichier courant? Je pense que Ça ce fait qu'il du veut coup. dire, c'est que dès que tu es en dessous de logo, tu hérites des variables. Mais je suis pas sûr. Ouais, mais là, t'es pas en dessous de logo en fait. Ah, Bah ou si, si t'es en logo dessous de girl la sera en classe dessous. logo en Oui. fait. C'est comme du style normal. En fait, tu hérites du parent, quoi. Ok.
Ah, Bon. tu hérites, c'est-à-dire que si tu places ta classe CSS dans du HTML quelque part, Tu vois, c'est ça qui. d'accord. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur de stack qui porte logo peut accéder à ces variables-là en fait. Ok. Mais franchement, c'est pas déconnant en soi. Ouais. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, moi je laisserais bien comme ça. Non, mais laisse comme ça. Ok, donc là c'est bon, on a 100% de nos éléments. Donc bah, on va essayer de placer un petit peu tout ça pour que ça ressemble à ce lien-là. Enfin, à la maquette qui est présente sur ce lien-là. Donc déjà, on va commencer par mettre notre fond de couleur, non? Ouais. Alors pour la petite histoire, on a passé vraiment du temps avec Charlie à choisir cette couleur. Je sais pas si tu veux expliquer, Charlie. Oui, mais je sais même plus pourquoi on a choisi le vert. Le vert, non, mais après c'était le gros débat sur quel vert, quoi. Ouais, parti sur un vert émeraude. Et C'est du vrai. coup, ouais, c'est Emerald, je crois sur Wikipédia. Je sais plus comment. Emerald. L'a Et trouvé, du voilà, sur Wikipédia, sur la page de la couleur émeraude, il y avait plein de verts. Je crois qu'on a pris celui qui était bah, émeraude tout court, celui-ci là, qui est dans la petite boîte. Et après, on est allé sur comment ça s'appelle? C'est What Aim, je crois, je sais plus. Bref, attends, color, Ou Name That Color. accessibility. Non, Salut non, 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 Nouf. non, non. On est allé sur Comment ça WebAim, va? c'est bien ça. On est allé sur WebAim, on a pris la color qui était là. Hop. Du coup, on l'a mis quoi en background? Ah oui, Tac. le truc pour l'accessibilité là, c'est ça? Ouais. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, ok, Salut nous, Julien The on veut être Monkey. accessible sur. C'était du noir, du coup. Ok. Du coup, on s'est dit, on veut être accessible et on a mis, bah, si on écrit en noir sur le fond vert, ça passe direct. Mais on n'a pas mis du noir tout court, tout de suite, je crois. On a mis Tu quoi? passes le lien, Charlie, On a mis du dans le 333, je crois. chat là? Le lien de quoi? Le lien pour le test d'accessibilité. Parce que je crois qu'en fait, quand quelqu'un regarde en replay, il a le chat qui défile au fur et à mesure. Ah, ok. Du coup, je pense que c'est pas mal de faire ça. Je vais le mettre aussi dans mon chat. Tac. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est on va être accessible double A ou triple A, quel texte on va afficher sur ce fond, etc., en quelle couleur. Et en fait, c'était pas tellement la couleur de fond sur laquelle on s'est trituré la tête, c'était surtout sur la couleur de. Voilà, quelle couleur on écrit, quoi. Parce que tu voulais pas mettre du noir-noir, donc du coup, voilà, Yes. on jouait un peu sur la Ben, luminosité. en fait, c'est plutôt. Enfin, je sais pas si c'est une question de mode ou truc comme ça, mais moi, je préfère un peu plus le anthracite en fait en termes de noir plutôt qu'un noir vraiment pétant quoi. Bref, du détail quoi. Du Et coup, du coup. Julien Monkey en fait demande là pour les couleurs parce que t'es arrivé, je crois, un peu après le début des explications. Là, l'idée c'est que t'as des critères d'accessibilité. Et en fait, quand on a choisi les couleurs de la maquette là qu'on va réaliser, on s'est posé la question de est-ce que fond VS couleur de fond, est-ce que c'était accessible? Et du coup, ce que Charlie expliquait, c'est qu'on a utilisé ce site. Je sais pas, je crois que tu voulais rajouter quelque chose, Charlie? Non. 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 Bon après, juste que tout ce qu'on fait, on essaie de que ce soit accessible le plus possible. Voilà, on veut pas se Ouais. brider. Enfin, on veut pas empêcher les gens d'accéder au site parce qu'ils ont un handicap temporaire ou permanent, peu importe, C'est qu'ils aient un qui que j'ai quelconque entendu il handicap, n'y a quoi. pas longtemps dire que je crois que c'est un tweet que j'ai vu passer de je sais plus qui à Mais une conf qui expliquait que Vaut mieux faire de l'accessibilité que de supporter IE. non, c'est même pas Non? celui-là. Alors celui-là, je l'ai vu passer aussi, c'est sympa, mais c'est surtout de dire c'est juste une question de temps avant que vous ayez un handicap Oui. temporaire. Ouais. Là, j'ai Et vu c'est ça aussi. vrai. C'était quoi? C'était à une conf à Nantes JS, il y avait
Il y avait quelqu'un qui disait, il y avait une conf sur l'accessibilité qui était faite par deux personnes, et du coup ils expliquaient, bah, par exemple, un parent en fait qui doit porter son bébé, bah du coup se retrouve avec plus qu'une seule main d'utilisable, et du coup c'est une forme de handicap, quoi. Donc le fait, par exemple, pouvoir tout faire au clavier ou choses comme ça, c'est plutôt cool. Ah, désolé, il y a pas le droit de poster des liens, Julien The Monk. Toute forme Faudra de qu'on regarde daltonisme, ça. c'est une bonne question. On n'a pas du tout fait attention au daltonisme. Je sais pas si Lucus, tu vois le lien de. On s'est pas posé la question en fait quand on a pris du vert, c'est une bonne remarque. Je crois qu'il est un peu trop nazi, Nightbot. Faudra que je regarde ça. Désolé. Merde. J'ai Alors perdu ma après, je couleur, sais du pas coup. si le con parce que contrast checker, je suis pas sûr qu'ils prennent en compte ce genre d'handicap. Après, gris sur vert, est-ce que ça pose problème? C'est une bonne question. Est-ce que t'en as qui voient le vert gris? Alors si t'as du gris sur gris, putain, c'est pas con ça. Ah, est-ce que j'ai... Putain, ça... Merci pour le follow à Julien The Monkey. Ah, il y a un truc sur WebAIM aussi, sur Colorblindness. Donc il y a Red Green. Mais tu sais, Morphy, je crois que bientôt ça va... Alors, je crois que c'est que pour les... Tu avais entendu parler de ça, Charlie, je crois que c'est que les sites d'État, je crois, qui vont être Mais ça a toujours été ça en pénalisés. fait. Ah, ça a toujours été. En fait, bah, vu que ça doit être. Vu que c'est du domaine public, n'importe qui doit pouvoir accéder au contenu et normalement tu as des pénalités là-dessus quoi. Mais Ok. bon, est-ce que c'est respecté ou pas, je sais pas. Un truc parce que j'ai travaillé pour le gouvernement anglais, notamment le DFE, Department for Education. Ah. Et en fait, si tu vas sur GitHub, sur AlphaGov, et je crois qu'ils ont changé leur truc, en fait ils ont... Ils ont un repo GitHub et dessus, donc ça a été archivé, mais ils ont changé les trucs. Et ils ont tout un truc, ils ont Style Guides, je crois, et tout ce qu'ils font est accessible. Et ils ont. Dès que tu bosses pour eux, en fait, tu dois suivre leur Style Guide, quoi, pour n'importe quel langage. T'as un lien Zoomilo pour les extensions Chrome pour simuler le daltonisme? Et c'est quoi le site là dont tu parlais, Charlie, là, pour C'est AlphaGov. C'est le en gros AlphaGov? le GitHub du gouvernement anglais. Marrant. Ah ouais. Putain, ils en ont des repos, hein. Ouais. Bah, tout ce qu'ils font en fait, enfin pas tout, mais une très grande partie est sur GitHub. Oh, ça me fait penser Tous à y a un leurs truc outils sont qui présents. vient de sortir en France. Il y a un site qui référence tous les repos faits par la fonction publique, en fait. Enfin, un article. Ah ouais. Ah, faut que j'ouvre Slack, c'est ça? Ah, attends. Où est-ce qu'il va s'ouvrir? Yes, du bon côté. Stéphanie Walter. La grande Stéphanie. Enfin, grande, pas si grande que Ah, ça. sinon, envoyez vos liens à Lucus, je pense. Ah, j'ai le lien. Stéphanie Walter. Attends, je vais le repartager dans le... Alors, je sais pas si c'est celui-ci qui l'a envoyé. C'est. Non, c'est accessibilité et couleur pour recevoir des coups. Tac. Ah, si, c'est ça. Sauf que j'ai la version anglaise sous les yeux. Donc si je clique là en français, ouais, c'est ça. Ah. C'est Zoumilo, il se fait dit au bout de 5 secondes aussi. Enfin, il se fait banni 5 secondes aussi. Ah, c'est vraiment embêtant Bah, ça. Il je va vais le falloir mettre, je vais le vraiment mettre. qu'on. Va falloir vraiment qu'on bosse ce truc-là. Bah, c'est soit on l'autorise ou pas en fait. Mais je pense qu'on pourrait l'autoriser. Pour l'instant, personne n'a jamais spammé donc. Ouais, on a. Mais en fait, ce que je trouve bizarre, c'est que Nightbot, genre, tu l'installes et il te fait ça par défaut, en fait. Bref, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté notre couleur de fond et j'ai mis une hauteur de 100 VH.
Je sais pas si tout le monde est au fait un petit peu des trucs en VH, VW. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, vous nous demandez, on répondra avec plaisir. Tac. Alors, du coup, maintenant, l'idée, ce serait de... Est-ce qu'on travaille d'abord un petit peu la fonte ou pas? Est-ce que j'avais mis une fonte en particulier? Fonte, 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 fonte. Non, j'avais rien changé, j'avais laissé la fonte de base. Peut-être qu'on mettra une fonte après, un peu plus tard. Peut-être. Alors, du coup, la couleur. Je pense qu'on s'est bien fait avoir en prenant du vert. Pourquoi tu dis ça? Je crois que ça fait partie des couleurs à éviter en fait. Le rouge et le vert. Ah, ok, Morphiche. Tu veux une explication sur quoi, Enscan? C'est vrai que elle, Stéphanie Walter, elle poste plein de trucs hyper intéressants. Je sais pas si elle se défait cette année, je crois pas, mais il y a comment il s'appelle? Goethe là, c'est quoi son nom, son prénom? Je comprends pas, ça veut dire quoi VH? Hubert Haït. Ah, yes, ok. Alors en fait, c'est que. Donc tu as plusieurs unités en CSS, par exemple, bah, tu as la bien connue de tout le monde qui est Pixel, donc PX. Après, tu as des unités qui sont relatives soit à ton parent, donc avec les. C'est quoi? C'est pas rem, parce que rem, c'est relatif à la racine. C'est quoi l'autre? Je m'en souviens plus. C'est bah EM. Ah, c'est EM, voilà. Donc, tu as EM qui est relatif à ta fonte, la fonte parente. Tu as rem Raphaël qui est Götter. relatif à la fonte qui a été définie en fait tout en haut à la racine. Et. Après, là, ce que tu as par exemple, c'est donc VH, ça veut dire vertical height. Et en fait, c'est un pourcentage de la hauteur max de ton écran. Donc là, par exemple, sans VH, je lui ai dit, bah, tu prends 100% de la hauteur disponible à l'écran, quoi. Et donc, tu as l'équivalent pour la largeur qui est VW, où là, du coup, ça va prendre 100% de ta largeur. Et merci pour le follow, il s'y dure. Alors, donc on en était à peut-être travailler un peu la fonte, non? Donc on a mis sur le titre. Tu veux mettre quoi Non? comme fonte? Non, juste la taille. Ah! Pas forcément l'autre Bah, couleur. mais ce que t'avais mis toi. Ouais, ça. Non, il a dit viewport 8 et c'est moi qui ai dû dire des. T'as dit vertical height, toi. Ah T'as dit ouais, vertical, c'est c'est. Non, mais c'est viewport, je moi qui ai dit pense. n'importe quoi. Ouais, c'est viewport 8 et viewport with. Ouais. Donc, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va poser quelques classes, justement, pour respecter le BEM. Donc là, on est dans notre bloc. Je sais pas si peut-être tu veux expliquer, Charles, ce que je parle, mais je ferais bien de me concentrer sur ce que j'écris en fait. Non, on a perdu Charlie. Ou tu m'entends plus? Mais où est Charlie? Ah ouais, je crois qu'il était parti. Ok, j'avais pas entendu. Tu t'es barré pile quand je dis. Tiens, je vais peut-être arrêter de parler en fait de ce que je dis et plutôt te laisser faire pendant que je me concentre sur taper. Puis j'ai plus de réponse, du coup je me suis dit merde. On a perdu Charlie. Vas-y. On n'avance pas Du dans coup là, j'étais cachou en train aujourd'hui. d'ajouter la classe là. Bon app, Loukous. Qu'est-ce qu'il mange? Du poulet. Du poulet? Genre poulet chicken wings? Ou poulet nuggets? Poulet rôti? Poulet mariné? Grillé? Ouais, mais je crois qu'on n'a pas le droit de faire des emotes pour l'instant. Faut qu'on ait un minimum de followers, je crois, je sais plus. Je crois que c'est 50. Je sais pas.
Donc du coup là ce que je disais Charlie c'est que j'ai ajouté pour respecter le même là Ouais, l'élément title sur mon machin. ok. Poulet grillé au paprika. D'ailleurs c'est intéressant qui fait du CSS régulièrement là dans ceux qui suivent le stream ou qui c'est qui débute par exemple dites-nous un petit peu votre niveau en CSS. Je crois que c'était 100. D'ailleurs, j'ai mis des trucs en PX, mais on aurait pu faire du relatif, hein. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Est-ce qu'on se ferait pas une taille par défaut là dans notre truc HTML là? On met quoi? On met Bah 16, hein. 16, voilà. On est tout le monde d'accord, on met 16 pixels. Ouais. D'ailleurs, peut-être t'expliques pourquoi 16 pixels. Est-ce que vraiment il y a une explication? Add permitted term. Bah si, il y a une explication. Yes, Morphy, je qu'en fais régulièrement, c'est vrai. Pourquoi est-ce que t'accroches pas du coup Nesken? N'accroche pas à quoi, à CSS? Ah c'est ouais, il disait qu'il essaye de s'y mettre et du coup à Canoa ça t'agace vite et du coup tu retournes à tes algos vénères. Et commencer et après les fonds. Pourquoi du coup le choix de SCSS et less Julien The Monkey? C'est intéressant ça. Bah si, il y a une explication, Charlie, c'est que c'est sensiblement la taille par défaut dans les navigateurs, non? Ouais, mais c'est pas vrai en fait. Enfin, c'est Ah ouais? pas partout. C'est en moyenne, ça va être 16 pixels, mais on n'est pas sûr que de tous les navigateurs, c'est tout le temps 16 pixels, quoi. C'est qu'en vrai, j'avais mis une fonte. Qu'est-ce que j'avais mis? Je sais pas, je pense que tu l'as pris sur Google Fonts. Ouais. J'ai dû injecter une fonte dans tout ça. Je la vois même pas. C'est sûr, j'ai mis une fonte parce que là, j'ai mis la taille et j'ai pas mis la couleur, mais ça a pas du tout la même tête en fait. Pourquoi tu dis que c'est aléatoire, Nouffre, le CSS? C'est pas du tout aléatoire. Attends, C'est laisse-le répondre. Sego. Sego, je sais pas quoi, que ça s'appelle ton truc là. Je vais regarder, je crois que Sego j'ai. UI, t'as mis. Et ensuite Roboto, ensuite Oxygen, ensuite Ubuntu, ensuite machin. T'as fait un truc de fou. Non, mais c'est pas moi hein, qui ai mis tout ça. Hein. Je sais pas, c'est dans le body. Ouais, je le vois, mais j'ai pas du tout mis tout ça. Bah c'est peut-être Create Reactable qui fait ça. Hein. Bon, bah oui, mais dans les deux cas, Bah on oui est c'est sur Create ça. Oui non c'est Create Reactable qui fait ça. J'ai viré le style qu'il y avait en fait. Ah! On peut le Ah, remettre. donc c'est pour ça. On peut le remettre. Bah vas-y, hein, remets-le. Je me le remets. XLST? Qu'est-ce que c'est que ça, XLST? C'est pour transformer des fichiers XML. Ah, yes, je vois ce C'est que tu veux dire, nous. XSLT d'ailleurs, pas XLST. Ou alors Mais c'est encore un autre Julien. truc. Tu sais, Julien The Monkey, là, on utilise des variables. Hein. En fait, il y a la plupart des choses qui sont dans less et dans SCSS qui. Enfin, je sais pas, tu m'arrêtes, hein, Charlie, mais. Je pense qu'il y a quasi la plupart des choses qui sont passées dans le standard maintenant, non? Ou que De tu peux quoi? utiliser avec PostCSS. Bah sur tous les navigateurs modernes, les variables tu les auras, c'est pas de problème. Ah yes, mais dans ouais, c'est sûr que si tu fais des modifs de template Bootstrap, t'as pas trop le choix quoi. Voilà. Excellent. Ah yes, on a récupéré la fonte, c'est un peu plus sympa quand même.
Tiens, d'ailleurs, c'est quoi ça? Ah, il y a un anti-aliasing sur la fronte. Ouais, j'ai gardé Marrant. ça, il y avait ce truc-là. Donc, Et un mais t'as vu, il y a un grayscale. truc, si t'es en Firefox ou en Safari, c'est pas la même chose. T'as un truc grayscale et l'autre anti-aliased. Yes. Ok. Donc là, on a notre titre. Maintenant, il y a le texte qui est en dessous. Du coup, c'est 324. Comment est-ce qu'on peut appeler ça en termes d'éléments? C'est quoi? C'est Tu une peux catchphrase? l'appeler description. Description, ouais, c'est vrai. Faisons simple en fait. Faisons simple. Attends, faut que je regarde, sinon ça va encore pas marcher. Point login page. J'avais dit combien de px? T'as parlé de 300, ou je sais pas quoi. Ah oui, attends, on avait dit qu'on mettait la font size et qu'après on faisait du. Bah ouais. Mais du coup, Attends. tu vois, si on avait mis 10px, ça aurait été plus simple. Ah ouais, c'est vrai ça. Eh. Ouais, mais tu sais, la dernière fois qu'on a mis 10px, on s'est fait rattraper par la police. Non, bah c'est juste parce qu'il savait pas lui, il savait pas faire. Merde, attends, à chaque fois je recharge le mauvais. Hop là. Ok. Tu veux qu'on mette 10 du coup pour faire les conversions? Bah non, mais sinon, c'est quoi? C'est 100 divisé par 16. Yes. Allez, ça fait combien 100 divisé par Bah, tu 16? utilises ton navigateur, tu fais 100 divisé par 16. Et ça fait 6,25. T'as Ah, ça va cette être hyper magnifique compliqué. calculatrice sur DuckDuckGo là. Je suis passé à DuckDuckGo du coup aujourd'hui, je suis content. C'est beau. Ah, On dirait un et du coup, Google, je me sens comme chez 24. moi. 24, ça fait 24. combien divisé par 16? 1,5. 1,5, attends, je suis bête, j'ai pas changé le 1,5 rem. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. T'as la taille des logos aussi qu'on peut faire, 250 et 300 Oh, ça va être hyper dur à prononcer comme pseudo. Bienvenue Imp Vitellium. J'ai pas dit les X parce que là, là. Ouais, je j'étais sais pas qu'il y a la sorti de même l'auberge. calculatrice dans Google. Mais j'ai arrêté Google. Sérieux, t'arrêtes Google du coup là? Bah non, j'arrête pas, mais juste que je suis passé à Bray, je me suis dit, bah je vais essayer DuckDuckGo. Par défaut, il m'écoute, c'est juste pas possible. C'est hors de question, quoi. J'aime Par pas du contre. tout. Ah oui, quand t'aimes pas du tout. Non, j'aime pas du tout. Enfin, dans l'état, j'aime pas. Ok. Tiens, je vois, ça vous reparlait un petit peu de l'S et de SCSS. Par contre, il faut savoir qu'il y a un truc hyper différent par rapport à ces outils-là et faire du CSS tout court. C'est que du build time, en fait, l'S et SCSS. C'est-à-dire qu'après, vous ne pouvez pas changer la valeur des variables en fait, au runtime, ce qui est possible avec les variables CSS classiques, en fait. Là, je crois que Loukous, Ouais, il kiffe ce que tu as dit non, là. mais il pète un plomb en fait. Bon, Peut-être essaie que de je peux centrer un peu tout réussir à ça ou on fait gratter le quelque style chose, de tu Google. vois. Genre une petite pierre, une petite frite, là, un truc. Pas de tacos parce que. Pff, non, on a marre des tacos. Est-ce Les que tu nous tacos, chopperais c'est tabou. un. On en reviendra tous à bout. Est-ce que tu nous chopperais un petit SVG à GitHub, Charlie? Un SVG GitHub. Ouais. Toi qui es ultra fan de. Ouais, mais du coup, Ultra fan de SVG. Je crois que j'ai GitHub trouvé un logo, site il n'y a pas longtemps. SVG. Tiens, Je crois que j'ai GitHub trouvé un slash super site. logo. Oh, regarde-moi ça. Tu veux lequel? L'Octocat? Le GitHub normal? L'Octocat sur une plateforme? C'est quoi ton site là que t'as trouvé du coup? Bah, c'est sur GitHub. Regarde. Ah, c'est sur GitHub. GitHub.com slash logo. C'est ultra stylé ça. Je vais peut-être fermer un peu d'onglet là. Ouais, mais faire des boucles pour générer des classes, non. L'Octocat Si t'as c'est besoin de faire cool. ça, y a un problème. Ah ouais, on a. Non, sur un projet, on l'avait déjà eu, souviens-toi. On avait généré des classes en faisant des boucles, c'était infernal.
Je me souviens pas. Et tu sais, c'était pour des aides d'index, là. Des histoires de logos, là, et enfin de petites icônes. Et du coup, il y avait un Z d'index à cause, je crois, des popovers. Ouais, mais Tu sais, ça, se oui, mais chevauchaient, c'est mais un c'était. truc, c'est parce Enfin, qu'on n'avait pas généralement, la ça main. montre qu'il y a un problème de conception, en Oui, fait. voilà. Je vois pas en quoi c'est utile pour faire du style atomique morphiche. Lis les petites phrases en dessous des logos pour Ah! voir lequel. Ah, il est intelligent, lui, il nous dit de lire le texte. Alors. Alors, utiliser AutoCAD ou GitHub Logo pour faire des liens sur GitHub. On veut faire quoi, nous? Nous, on veut juste bah, faire un lien vers GitHub, en fait. T'es Juste un lien vers social. GitHub? Du coup, il nous dit plutôt d'utiliser le logo GitHub ou l'AutoCAD. Yes, bah du coup, c'est pas. Et le Ah! marque, c'est pour les boutons sociaux pour lier vers des profils GitHub ou projets. Ouais, bah c'est ça qu'on veut en fait. Vers des profils GitHub ou projets? Bah en fait, enfin, c'est pour les Oui. social buttons, donc là c'est ce qu'on fait nous. C'est un Ok. social Bah du button. coup, faut utiliser le download marque. Yes, tu le récupères? Ouais. Bah c'est sur Et du ton coup, c'est poste. un zip. Je peux pas le faire moi de toute manière. Ouais. Yes, bien vu Zumilo. C'est vrai que moi j'ai même pas pensé à lire. Et c'est bien fait quand même, hein. Eh ouais, c'est bien. Non, mais ils sont malins. Et du coup, je me demande s'ils ont une. Donc du Ils coup, doivent être sous licence, en fait, ces logos-là, non? je vous mets à quoi ça ressemble. Si j'y arrive. Si j'y arrive, si j'y arrive, si j'y arrive, si j'y arrive. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a énervé. Ah. Ouais, il n'y a pas vraiment de Ta licence, j'ai vache. l'impression. En tout cas, c'est pas open source, quoi, ça, c'est sûr. Oh, il y a un bug. J'arrive pas à me faire passer cette satanée fenêtre là. Ah oui, pour montrer aux gens. C'est parce que je suis en full screen. J'ai un écran qui est en full screen et pas l'autre. Et du coup, quand tu passes une fenêtre devant l'autre, ça va pas. Ah oui, moi je les ai pas mis en full Du coup, dans screen, du coup, Vector. pour les passer plus simple. Oh non! Non, pourquoi ils ont fait ça? Mais Bah c'est passe des un coup IA. de SVG, non? Bah non, c'est pas ça, c'est que c'est des fichiers Adobe ou. Bon, il y Ah. a un EPS, quoi, c'est un peu mieux, je pense. Bah, si j'ouvre le EPS, il me fait quoi? Poum, poum, poum. Ouais, bah je sais pas comment on utilise ça, moi. Il n'y a Qui pas sait moyen. utiliser du EPS? Ou du AI? Sinon, on triche et on les prend ailleurs. Si je l'ouvre avec Simple GIMP, le icons. EPS. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, trop bien, c'était celui-là que j'avais trouvé une fois. Ouais, mais je veux pas de PNG, je veux du SVG, moi, Non, messieurs. c'est du SVG là. Ah oui, d'accord, tu as aussi des PNG, c'est ce que Import dit from Zumilo. PostScript. Ah ouais, mais dans GIMP, l'import est juste. J'ai envie de vomir. Tiens, l'autre fois j'avais découvert ça. Dans SVG Online, qu'est-ce que c'est que ça, SVG Online? Ah oui, non, attends, ça c'est Frama Victoria. Ah, tu veux dire qu'on peut les ouvrir dans d'autres fichiers? Enfin, dans des trucs en ligne? Ouais. Sinon, t'as vu, j'ai envoyé à Charlie le link là vers Simple Simple Icons. Icons. Il met du SVG. Ouais, c'est du SVG, c'est un truc open source. Il y a plein d'icônes et dedans t'as GitHub, je crois. Il y a même Gatsby, tiens. Ouais, t'as GitHub, t'as le marque en Bah plus. vas-y, utilise ça, on verra plus tard. Bah, c'est toi qui dois télécharger le truc. Oh, c'est vrai. C'est toi qui lance le Je sais, je teammate. sais, je sais, je sais. En quoi tes emotes? C'est quoi du coup? Juste une online page. Ah, il y a un CDN aussi. Ah Tu bon? peux importer l'icône depuis un CDN, mais du coup, Ah, c'est pas mal ça. tu fais IMG, tu mets une Ouais, date et oui, une non, width bah depuis un non, on va CDN. pas faire ça.
Waouh, pourquoi la session elle a sonné Ben, c'est mon avis, c'est Ring my bell. C'est mon terminal qui Mais pourquoi sonne il sonne peut-être. ton terminal? Ou c'est chez toi que ça sonne en fait. Chez moi ça sonne pas. Parce que c'est de ton iTerm qui sonne quand je fais des tabs ting ting ting. Et c'est quoi? C'est dans public directement, je pense. Allez, j'ai mis dans public. T'es sûr que c'est dans le public? Bah oui, c'est là qu'il y a tout le statique. Il y a des PNG Bah. déjà. Bah attends, on va tester. Donc ce que tu me dis, c'est que là, je nous fais un petit i. Ah mais attends. Moi, je veux pouvoir lui changer son fil. Ça marchera pas si je l'importe en tant qu'image. Ah non, il est en blanc là? Il est blanc sur noir? Ouais. Ok, bon bah alors ça va. Je crois qu'il est directement bien. Ok, ça va aussi, ça va. Donc du coup, SRC, Et si tu me sinon, dis que c'est... le son, c'est stable, comment ça se passe? On nous entend bien, c'est propre. Il s'appelle comment le fichier? Ça te stresse, hein, le son. Ah mais c'est parce que t'as ton Yeti, c'est pour Bah oui, ça. c'est pour ça, je veux savoir si C'est j'ai lequel des des deux trucs à logos, faire. là? C'est github.svg. Ah ouais, github.svg, j'étais en train de regarder les points PNG bêtement. Slash... Ok, donc le son c'est bien, tant mieux. SVG. Oh là là. Donc là, ok, c'est bon. Ah mais non, il n'est pas dans la bonne couleur, regarde. Le son est bon. Moi, je le veux en blanc, en fait. Après, tu me diras, on peut aller changer le fil à la main. Oui. Je mets un petit alt. GitHub GitHub logo. logo. Oh, enlève le apostrophe S. Et fais un grand H Ok. avec GitHub s'il te plaît. Ok. Ça suffira. On va changer le fil. Slash fil. Waouh. Tu veux pas nous faire un petit pretty dessus? N'y a pas de fil. Ouais, mais tu veux pas quand même nous faire un petit pretty dessus? SVGO-pretty. Bah ça dépend, on veut pas. De toute façon on veut pas. Regarde, il y a un seul pass en fait, il y a rien à éditer. Ok, il n'y a qu'un seul pass. Il Donc y a du un coup, seul pass c'est-à-dire et que un le... titre. Donc en fait c'est que le style, enfin la couleur vient d'ailleurs. Comment ça, la couleur vient d'ailleurs? Bah il y a pas de couleur là. Là. Oh, mais il est trop chiant pour aller au truc. Mais je sais pas, faut qu'il vienne à droite en fait. Hein? Fais un petit SVGO pretty dessus là. Histoire que ça nous le mette correctement déjà. Mon kick-in, toi? Pourquoi tu Oui, mais veux. c'est... Pourquoi j'ai Je pas suis la quasi main? sûr qu'on peut changer sa couleur. Tu me dis quand c'est bon. Non, mais c'est surtout que je comprends pas pourquoi. Je comprends pas en fait pourquoi. Tu vois, y a pas de couleur dedans en fait, donc. Non, tiré, tiré, apprêté. Je sais, Ouais. j'ai pas fini. Ok. Oui, bah oui, le courant CSS. Ah, qui c'est qui a. Tu fais. Mais ça marche la couleur en CSS Eh ouais, bah oui. même en important avec une image. Bah oui. Ah bon? Mais si je posais la question tout à l'heure justement parce que je savais pas. Ok. Moi, je pense. Bien joué à Canoa qui a repris la salle depuis 3 semaines. Coach Charlie, qu'en penses-tu? Ben je. Oui, c'est très bien. Et du coup, ça m'intrigue. Est-ce que c'est quelqu'un qui est. Qui vient d'où? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sur Nantes? Si je fais ça sans le CSS, juste pour voir déjà. Ah mais non, c'est pas ça que je veux faire, c'est un fil Un fil harmonique. Je FFF. me fatigue. Oh, too many connections. Ça t'apprendra. Qu'est-ce que tu fais en fait? Je comprends pas là. C'est qu'il y a quelqu'un qui a dû nous piquer le lien. Mais qui nous a rien piqué, qui t'a piqué à toi, ouais. Bah non, regarde, on l'affiche. C'est Quelle le lien de affiche? ton ngrok.
Bon, ben, je peux plus voir, Charlie, ce que je fais. Que la personne libère le Endbrock. Bah c'est bizarre parce que normalement si t'étais dessus, y a personne qui pouvait te le prendre. Ben non, mais j'ai rechargé. Bah recharge encore. C'est bien la même chose. Ben non, je peux plus. Pourtant 20 c'est... connexions par minute, 26 connexions dans les 60 dernières secondes. Ah, mais Ah, c'est t'as fait trop de le... refresh avec le... Mais oui. Personne l'a pris, hein. On a tapé dans la limite de Ngrok. Yes, c'est bon. Ah yes, ça marche là comme ça. Et du coup, testons avec une classe CSS. Ah, tu peux me remettre dans le... Ah, attends, il dit des trucs intéressants là, Morfish. Make your end color dans la valeur de ton fil. C'est vrai. Ça reprendra la cool. Eh, pas con, hein? Pas mal. Malin. C'est Malin que ce vrai. lynx. Je connaissais, mais j'en fais tellement Allez. jamais que du coup, ça me Remets-nous remarque. l'éditeur là. C'est ici que tu voulais être? Yes. Et du coup, Lucas, il a fait un truc chelou. Lucas Vas-y, rechange-moi a pour fait un le truc look éditeur. chelou. Faut vraiment que j'apprenne Tmux Il a là. fait une pieuvre. C'est contrôle BN. Voilà. Yes, c'est exactement là que je voulais C'est quoi être. cette espèce de poulpe, je sais pas quoi là. Un gros poulpe avec un œil cyborg ou je sais pas. Je suis pas hyper fan là, de ce que je vais faire. Je vais plutôt l'appeler sign Ouais, bah ouais, in un poulpe quoi. Un button poulpe. logo. Qu'est-ce que t'en penses? Sign in button. C'est peut-être un peu long, hein. Ou peut-être juste sign in. Je suis pas hyper fan, hein. Vous avez les meilleures idées de nom de classe là, enfin de bloc éléments là. Bah, remplace logo par GitHub, parce que de toute façon... Par GitHub. Ouais. Merde. Enfin, tu peux mettre le, tu peux le faire générique, mais vu que de toute façon il n'y en a qu'un. C'est vrai, ça qu'il y en a qu'un. Squid Squid Infinity. Changer toutes les icônes. Ah ouais. Ah. Bah vas-y, fais-le. Et donc du coup comment ça se passe là? Je mets c'est quoi? C'est current color comme ça ou c'est dans une chaîne de caractères? Non, c'est comme ça. C'est comme ça? Ouais. Ok. Donc du coup ça veut dire que si je fais point sign in et que je mets une color à white. Sauf que sign-in, tu l'as nulle part. Ouais, t'inquiète, je vais faire ça. On en apprend tous les jours, hein. Je suis content. Ah là 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 là, quelle catastrophe. Je me suis encore fait ban. Si je mets une background color Alors bah du coup je avec... le vois là, mais ça fait un carré blanc. Ouais, attends, attends. Attends, bah du coup tu vas... tu vas me guider... Vas-y. Je mets un border 0. Alors là, t'as fait le tout compile parce que t'as mis un point Ouais, attends, virgule. c'est parce que j'ai oublié un point virgule. Et on va mettre un border radius genre à 5px. Bonne soirée, Nouffre. Mais là, le problème, c'est que C'est que quoi? même le chat, il est gris, là. Ah bon? Bah oui. Pourquoi le fil il marche pas? Ah bah Parce il que en c'est veut pas pas. du fil, en fait. En fait, le fil, c'est le tracé qu'ils ont fait autour. Ah, c'est du stroke du coup. C'est quoi ces strokes? Non, non, c'est le fond de l'image que tu dois mettre. Ah non, même pas. Ah, on va être dans la merde. On va être dans la merde. En fait, Attends. ils ont dessiné que le contour, jamais l'intérieur. Donc l'intérieur, en fait, c'est le fond.
Sauf que si tu fais le fond, ça va dessiner le carré en fait. Mais attends, comment j'avais fait moi? Bah t'avais pas utilisé ça. Je te jure que j'ai utilisé ça. Regarde, si je fais SVG. white, bah du coup ça fait le fond parce que c'est... Bah pourtant, regarde là. J'ai mis un fil sur le pass. Hein. Ça marche très bien. C'est juste qu'en fait, en CSS, là, Non, qu'est-ce que tu à racontes? moins qu'il faut préciser là. Mais non, mais le pass, il fait que le contour. Je te jure que non, parce que j'ai testé juste avant. Regarde. Si j'enlève ça. C'est un peu sauvage ce que tu proposes, la morphiche. Je crois qu'il y a Orodan qui se moque un peu de nous là. Attends, regarde. Je pense que là, Il se moque de toi, hein, moi j'ai rien fait. il a dit Je suis innocent. une heure qu'il attend. Ah! Ah non! Contrôle BN. Yes, il est là. Là, si je mets un fil. Je crois que c'est ce que j'avais fait, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Et là. Tiens, là, ça marche. Ah En oui, fait, parce que c'est t'as qu'en CSS, le inversé. fil, il s'appelle. Oui. Ok, j'ai Quoi? compris. Oui, mais c'est que du coup, le fil. En Bah fait, oui. il s'appliquait Sur sur le l'intérieur du tag pass. SVG, en fait, mais pas sur le pass. Ah. Bon, ok, bref, on a un truc. Ça m'a pas Mets le l'air fond en ouf, ouf, black et la le... color en white. Non, mais là, c'est bon ce que t'as fait après. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Même s'il fait grave attention, on peut le griller S. Ah, je crois qu'on a dit quelque chose qu'il fallait pas. Hein. Comment ça? Je crois qu'à un moment ou un autre, là, on a. Là, on parle de moi, je pense. Ouais, je pense. Parce que j'ai dit Il y a un merde, une Lupus et Orodan qui connerie. ont fait des paris. Hein. Hmm. Ok. Bon, alors, du coup, si on veut placer correctement cette icône, on Bah, va je mettre un propose que celui qui a petit. gagné le pari, il me reverse 50%. Display flex. Ça devrait déjà être pas mal, ça, si on fait juste un display flex. Flex, flex. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. On va reprendre ça. Ah non. Si je remets GitHub. Bon, ça fait 1h44 de stream, on n'a pas fait grand-chose. Qu'est-ce qu'on lui met comme taille à cette. Oui, bah on a passé pas mal de temps à faire un récapitulatif au début. Peut-être qu'il faudra qu'on prenne T'y moins le es temps au début. presque. Hein? T'y es presque. J'y suis presque. J'ai mis quoi comme taille? 20. Veux Ah, mais du coup, Dieu. 20, ça fait combien en REM? Flex direction colonne. Bah non, pourquoi est-ce que tu veux que je mette flex direction colonne là? Pas le contour. Bah ah non, je voulais pas colorer le chat, non. Ouais, non, non. Ah oui, mais attends 2 secondes. D'abord, je mets la taille des éléments. Ouais, on va faire ça. T'as raison. Align items center. Et là, c'est bon, ce sera centré. Charlie. C'est quoi 20px en REM? Aide-moi! Ah, on m'a répondu 1,25. Oui, c'est vrai. Tu vois, Tu il t'avait déjà tout fact-check? donné là. Qu'est-ce que... Bah ouais, mais c'est toi qui es censé m'aider là. Bah, il est en train de te donner toutes les instructions sur le chat. Tu veux que je te fasse la lecture? Non, je regarde en même temps. Je pensais que tu voulais. Ah non, bah non, ce serait un peu bizarre, non? Peut faire quoi? Du coup, j'en déduis bah, de garder à la verticale. J'en déduis que pour mettre une margin de 10px, ça nous fait du 50 plus 12,5, ça fait 62. Non, Bah si. 0,625. Hein? Ouais. Yes.
Par Quand on contre, a pris en à hauteur. gauche, Ah ouais, attends, je suis idiot. mets une marge à droite sur ton SVG. Ouais, c'est Wow! bon. Yes. Ah ouais, mais non, Et. mais attends, là, on est tout ratatiné. Ouais, mais attends, il manque un petit padding là, On c'est tout. ressemble à un tube de dentifrice, là. Genre un padding de. Si je veux. Je crois que je veux du 15px par 10px. Je crois. Hein. Non, c'est pas ça que je veux. C'est l'inverse. On te dit 0,625 rem. 0,625. Pour 10px. Ouais, c'est ce que j'ai mis. Ok. Par contre, là, je sais pas pourquoi j'ai un. Pourquoi j'ai un. Ah! Ah, je suis bête, je mets pas le padding où il faut, c'est pour ça que ça donne n'importe quoi. Ça Je sort d'où comprenais les pas. 15 pixels? Ah, ah bah là, et Ah, voilà, là on est bien là. on n'est pas trop mal, Ah c'est. dirons-nous. Bah. Par rapport à tout à l'heure, on est bien. Ouais, là, on est pas mal, on a un Et tout bouton ça pour sympa. faire un bouton quoi. Du coup, on n'a plus qu'à aligner tous nos éléments. Y'a plus qu'à, y'a plus qu'à. Alors, il y a Orodan qui propose 10 push-ups en live pour chaque gros mot. Ou Lucas qui propose 10 squats avec caméra de dos. Ça s'appelle du harcèlement. Pourquoi c'est le cancer? Qu'est-ce que t'entends par le cancer, m'en fiche. C'est un peu extrême quand même comme manière de dire les choses. C'est la demi-mesure, mon gars. Attends, mais qu'est-ce qui se passe avec mon clavier? Ah, ok. Ouais, je vois pas pourquoi c'est cancer. En fait, je Oui, il a comprends. fait un élément bouton. Bah ouais, là, regarde à droite. À droite, là, j'ai un bouton. En fait, je suis d'accord sur le fait de prendre des éléments, des tailles en pixels paires quand tu fais de la fonte, parce qu'en fait, si tu fais de l'impair, ça vient déformer ta fonte et du coup, t'as potentiellement ça va être étiré. Mais là, sur des paddings, en fait, je vois pas pourquoi il faudrait faire 16. Ou c'est juste pour avoir des contre-roues? Bah pourquoi les paddings ils sont pas en REM aussi casser ces conneries? Ah! Oui, c'est parce que je suis nul. Ah, c'est pour ça que tu dis ça. Ok, je comprends mieux. Oui, donc du coup. Ah oui, c'est pour ça qu'on me redisait de mettre 0,625. Ah, je suis désolé en fait, c'est parce que j'ai trop l'habitude C'est un REM. des tailles en pixels. Et du coup, 16, ça fait combien? Un REM. Un rem? Ah bah Bah oui, je oui. suis bête. Bah oui. Le mec est complètement ivre. Et c'est vraiment mieux de partir sur une base de 10, hein, parce que là, c'est Mais catastrophe quand sortez-le même. quoi. Hein. Sortez-le. Bah écris si t'es pas content. Mais Ok, merci Morphy, tu me fais désolé que les j'avais pas calculs et compris. j'écris ou De quoi? tu me fais les calculs? Bah pourquoi est-ce que toi tu fais pas les calculs? Et on n'a pas mis la taille de la fonte par défaut. Bon, 250 divisé par 16. Même pas les. Tu sais que t'as une étoile en haut. T'as une étoile qui traîne. Ah oui, tu changes tout ça là? Voilà, on va pas aller beaucoup plus loin. 300, ça fait combien? Attends, attends, attends. Ah 300 ouh, ah ouh, ça fait ça divisé par 300. 16. 18,75. Merci Nestor. 18,75 rem. 188. 188, ça fait 11,75. Ok. 100. 100, ça fait 6,25. Bah ouais, comme 10 en fait, mais fois 10. Et 160. 160, ça fait 10. Bah oui, notre logique. Eh oui, bah oui. Ok, il y en a plus. Il y en Ah a plus. bleu. C'est quoi cette étoile là-haut? C'est n'importe quoi ça. Attendez, supprime pas mon étoile. C'est de la merde. C'est parce que je veux mettre toute la fonte en. Ah, c'est chiant ça.
Ah, c'est encore plus chiant ça. Je vais mettre color 2, 2, 2. Tac. Je sais pas si c'était 2 ou 3 qu'on avait mis. Je crois que c'est 3. Je suis pas sûr. Attends, je Bah, regarde. background color, c'est 2, donc du coup, c'est peut-être pareil. Ouais, c'est 2, c'est 2, c'est bon. Ok. Et eh ben maintenant, on n'a plus qu'à placer nos éléments sur la page. A priori, ça part en squat là. Hein. J'ai dit quoi comme gros mot? Alors, comment on avait fait ça? Je pense qu'on avait mis une espèce de wrapper hein, sur le tout. Ouais, on a mis un wrapper. Je vois pas trop comment faire sans mettre à minima un truc pour bien centrer ça. Tu vois, il répond pas, il sait pas. Attends, je pense que ta sentence, elle va tomber bientôt. Hein. Fais pas trop le. Ok. Donc là, on rajoute une classe. Comment on l'appelle? On l'appelle wrapper content. Oh mon Dieu. Tu veux faire C'est quoi en quoi? fait? Bah en fait, pour pouvoir bien centrer le tout là, et pouvoir bien mettre des marges au-dessus, en dessous, ça va être compliqué de pas mettre une div englobante en fait qui va venir. Bah, mettre bien la landing page quoi. Va voir le chat du Sinon, tu nouveau. fais un text align center sur ta login page et tu fais des paddings. On peut tester. Je pensais pas à ça à la base, mais mettons un text align center pour voir ce que ça donne. Merde. Tiens, moi aussi je dis des grands mots. Non, Allez. enfin ça va comme gros mot. T'as un Ah. problème de fragment. Ah bah oui, je suis bête un peu. Je supprime une Ah, c'est div, parce qu'on me dit mais. je suis con depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Pff, oh là là. Les âmes sensibles. Presque. Ces mecs qui s'appellent. Eh, on débute, hein. Soyez un petit peu. Ces mecs qui Ok. savent pas quoi? Qu'on sait pas lire un chat. Je suis que sur un bon en fait. Ah, moi, je suis sur les deux. Hein. Bah ouais mais c'est trop d'efforts pour moi. Bon allez, je vais voir. Eh, on n'est pas loin. Je rajouterais bien un class name justement à ce logo là. Login page underscore logo. Ah ouais, mais du coup, j'ai pas l'historique de ce qui s'est passé avant, moi. Ouais, ça y est, Lukusi, il commence à se moquer. Oh, j'ai à nouveau plus de connexion. Bon, Ngrok, c'est peut-être pas le meilleur système du monde. Hein. Bah, pour le autre, reload, non. Ah non, on n'est pas du tout prêt pour un raid. Hein. Ils sont pas prêts pour un raid. Eh, c'est notre quatrième session quand même. Déjà, c'est pas mal. On tient la route. C'est toi la route. Du coup, on m'a toujours pas dit qui c'est qui va à la salle où ici. Hein. Pose des questions, on m'ignore. Alors, petit pattern. On rajoute notre class name. Tac. Oh. Va falloir qu'on installe une lib. Pourquoi faire? Pour class names. Bah, c'est quand même pratique, class names, hein. Bah Sans ça passer, dépend, est-ce ça qu'on a risque. du conditionnel pour le moment? Non, on n'a pas de Bah conditionnel. alors non. Allez. Parce que ça va revenir au même en fait. Tu vas ajouter des paramètres dans une fonction, Ok, ça sert ok, à rien. ok, ok. Donc, je fais de la concaténation, alors, c'est ça que tu me dis? Bah tu fais un espace dans ta chaîne quoi. Mais non, parce que c'est une variable. Comment ça, c'est une variable? C'est une variable, c'est pour rajouter un.
pour centrer mon élément logo. Oh, tu me fais peur, toi. Quelle variable. Ah, c'est ça de pas regarder le code, hein. Bah, j'étais sur le rendu, moi, en fait. Je sais. Bah, c'est qu'en fait, j'ai besoin de centrer mon logo. Tu vois, le logo, il n'est pas centré à l'heure actuelle. Ah oui, ok. Je fais ça du coup. Oui, bah si c'est juste pour ça. Pourrait mettre des prop types et des défauts de props. Hein. N'est pas des bêtes. Ok. Je fais ça juste après avoir centré le truc. Ok. Margin de point auto. Là là. Je fais ça dans le logo. Hein, dans open source. C'est bon, c'est centré. Dans open source, tu fais référence à où là? Ah, sur La le. description. Alors attends, du coup, tu dis pas de tiret. Et tu dis. Ok. Ah, toi, tu colles les deux? Ouais, c'est quand même deux mots différents, je pense à Canoa. Merci Zumilo. Est-ce qu'on laisse les majuscules quand même ou pas? Bah oui. C'est En ça fait, normalement. si tu cherches open source, là, premier Ouais. truc que je tombe, c'est open source initiative et c'est bien séparé avec des majuscules. Mais il n'y a pas de tiret. Bon, après, c'est aussi que open source initiative, ça fait OSI, quoi. Bah du coup, faudra que tu enlèves le tiret sur notre repo, Charlie, aussi. Mais tu vois, to promote and protect open source software, du coup, open source, ils l'ont pas mis en majuscule. Ils l'ont mis en deux mots, mais. Mais pas de tiret par contre. Non, pas de tiret. Ok. Bah du coup tu pourras enlever dans la sur le repo le tiret qu'il y a dans le README et tout en haut dans la phrase à gauche du site. Non mais c'est histoire d'être cohérent quoi. Ok. Et Bah alors vu donc là tu que... me dis de mettre un padding. Sauf qu'il y a un truc qui m'embête un peu avec le padding. C'est que ce sera pas centré vraiment en fait. Parce que si la taille de l'écran elle réduit, ou on met juste un padding en haut, on peut mettre juste un padding en haut. On met un padding de combien à peu près? Un REM. De 1 rem. C'est pas beaucoup, 1 rem. Bah mais 10 REM alors. Padding-top. Ce qui m'embête, c'est qu'en fonction de l'écran, en fait, ce sera pas foufou. Mais c'est pas grave. On va partir comme ça pour le moment. Vas-y, Donc on du coupe la coup. poire en deux, mais 5. Non, non, c'est bien en fait, c'est pas ça. C'est que je dis que l'avantage avec le flex, c'est qu'en fait, avec le center en flex, ce sera toujours au milieu de l'écran. Alors que là, avec le padding, ça va dépendre un petit peu de ton écran, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah alors du coup, fais ta solution. Je suis pas. Bon, attends. On t'a posé une question, pourquoi tu mets pas le style directement en inline? Ah, salut, Xue Shang. Pourquoi est-ce qu'on met pas le style en ligne? Bah, en fait. Il y a plusieurs approches. Personnellement, moi, je suis vraiment pour les fichiers de style. Parce que j'ai, bah, déjà parce que j'ai l'habitude, en fait. Et pourquoi pas en inline? Moi, je trouve que ça vient nuire fortement, en fait, au principe premier des tags HTML qui, en fait, de donner de la valeur, enfin, du sens au contenu. D'accord. Et là, bah, en mettant plein de styles, en fait, tu viens cacher un petit peu le contenu, parce qu'il y a toujours beaucoup plus de styles que de contenu. Là, on regarde par exemple la page. On a quoi? On a 24 lignes là dans. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Là, on a quoi? On a 24 lignes en tout dans notre composant. Et si on regarde le CSS, on est à combien? On est à 86 lignes.
Bah Du coup, écoute, ça veut dire que ces 86 lignes-là, on vient les mettre dans notre composant login page. Je trouve ça un petit peu beaucoup. bah après c'est pour être cohérent, c'est que déjà d'une part on va pas faire du style inline d'un côté et pas le faire de l'autre côté. Et C'est-à-dire. si on fait tout en inline, ça va ajouter plein de bruit et c'est contre-productif en fait. C'est plus facile de lire des noms de classe que d'aller lire du style. C'est aussi pour Oui. ça qu'on fait du BEM, c'est qu'on donne du sens à nos classes en fait. On met Oui, pas des noms complètement random. c'est vrai que je crois qu'il était t'étais peut-être pas là, Xuechang, au moment Ouais. où on a montré ça. Mais alors, getBEM. Get BEM. On utilise du coup BEM, donc Block Element Modifier, où dans l'introduction. Ah, faut que je te mette Modo. Ah, attends, faut que je retrouve dans l'interface comment est-ce qu'on fait ça. Posting links. Tu fais slash mod et mon pseudo. Ah, c'est tout? Bah oui. Slash mode. T'es le coup si Et c'est pas tiens, écrire des tac. liens. Yeah. C'est bon, tu es modérateur. Ouais, donc en fait, tu as le BEM où du coup, je crois que dans introduction, ouais, voilà. Là, tu as un exemple avec GitHub où du coup, ils te mettent des noms de blocs avec des noms d'éléments et avec du modifier aussi. Voilà. Oula, il s'emballe un peu là, mon ordi. C'est quoi les vibes du coup? Je le fais. Poum! Unable to add VIP. C'est quoi VIP. VIP? Is the achievement page on your dashboard to learn how to unlock this feature. On peut pas le faire de toute façon, on n'a pas les achievements pour le moment. Alors, si je finis ça, je sais pas si ça a répondu à ta question, Yuechang. Je crois que je prononce n'importe comment le pseudo. Point PropTypes. ClassName, 2 points. String. Et tac. Est-ce que ça va mieux, Charlie, maintenant que j'ai fait ça? Ça fait quoi? Bah, j'ai rajouté les prop types et les default props. Ah, tu regardes pas ce que je fais. Non, je pensais que tu avais fait autre chose, j'ai vu ce truc-là, mais. Non. Alors, il y a beaucoup d'espace entre notre logo et le titre. Je pense que c'est parce que le titre a une margin. Yes. On va supprimer les margins du titre. 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 Margin 2.0. Bon, je pense qu'on n'ira pas plus loin que la landing page. Hein. C'est ridicule, quoi. Mais oui, mais on papote, on papote. C'est clair, on se prend un salon de thé, quoi. C'est n'importe quoi. Un peu de Je sérieux, s'il vous plaît. supprimerai bien le margin qu'il y a au-dessus du paragraphe et j'augmenterai bien le margin. Je doublerai bien le margin qu'il y a en dessous, en fait. Ben, vas-y. Parce que du coup, là, margin-top, je mettrai bien 0. Et celui du dessous, margin-bottom, on va lui mettre quoi, 2 rem? Ça fait peut-être un peu beaucoup de rem. Oh, je suis encore bloqué par le ngrok. Il n'y a que toi qui sais, Charlie, quelle tête ça Bah, c'est une tête correcte. a. C'est quoi correct? Bah, bien quoi. Ah, ça y est, ça charge. Pourquoi on a un scroll là? Ah ouais. Et qu'est-ce J'avais que pas c'est que vu. cette affaire? Ah, c'est à cause du padding, je sais pourquoi. Ne bougez pas. Alors, petite astuce, qui connaît le box sizing? Ou plutôt, qui connaît pas le box sizing? Là, je pense que tout est résolu. Je pense que là, on n'a plus de scroll. Yes. Beaucoup s'y dit. Morphy, qui connaît, c'est sûr. Bon, alors, pour ceux qui savent pas et qui osent pas le dire, c'est un petit trick.
C'est que par défaut, quand on donne des tailles en CSS, le padding vient s'additionner à la taille de l'élément. Du coup, ça fait que si par exemple on met un padding sur le côté à 10px et qu'on met une taille de bouton à 100px, ben, au final notre bouton il fera 10 plus 100 plus 10. Du coup, bah, c'est un peu emmerdant parce que souvent on se retrouve à se dire, alors attends, vu que je veux que mon bouton il fasse 100px, bah, du coup je vais lui mettre 80px et plus les 10px de chaque côté. Et ben pour éviter ça, vous mettez un box sizing border box et du coup le padding il est inclus dans la taille de l'élément. Donc là on se retrouvait en fait avec une scroll bar parce qu'on avait une hauteur de 100 VH sur notre login page plus le padding top de 10 rem. Donc du coup on avait 100 VH plus 10 rem. Et en mettant un box sizing border box sur cet élément, bah du coup il reste à 100 VH et il intègre le padding dedans. Et du coup moi ce que je fais généralement sur mes projets, c'est que je mets sur étoile le box sizing border box pour pas avoir à me poser de questions. Et je mets comme ça je calcule toutes mes tailles d'éléments directement et je rajoute le padding dedans pour bouger un petit peu le contenu. Voilà, je sais pas si ça a répondu à des gens. Je connais ces machines, mais plus du côté. Allez, j'espère que maintenant que j'ai donné l'explication à Canoa, ça te semble un petit peu moins magie noire comme fonctionnement. Ok. Est-ce que du coup, pourquoi il est toujours super loin? Ah non, c'est bon. Ah, c'est parce qu'en fait, notre logo, il n'est pas très bien centré, en fait. Est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise dans la taille du logo? Comment ça, il est pas très bien centré? Bah, ah là, il est bien là. Ça me choque pas. Bah, il était à 15. Mais non, mais regarde. En fait, sa hauteur, elle est à 15 625, si je dis pas de bêtises. Et du coup, en fait, il se retrouve avec du vide en dessous. Ah ouais, les frameworks CSS, ils mettent par défaut le box sizing à border box. C'est bon à savoir. Tu sais ce que je veux dire ou pas, Charlie? Pour le logo? Ouais, en fait, il est vachement loin de Père Roulette et je pensais qu'il y avait un Oui. margin, mais en fait, c'est sa taille qui n'est pas bonne. Ouais, mais ça me choque pas plus que ça. Ok, bah on peut laisser ça comme ça alors pour le moment. Et voilà, nous avons notre landing page. Ça a été fastidieux, mais ah tiens, il manque un petit truc, c'est sur le bouton. Je te sens dépité, Charlie, du temps que ça nous a pris. Ouais. Ah, mais c'est normal, on discute en même temps. Curseur de point pointeur, histoire qu'on ait la petite main quand on. Allez. Ou je suis encore banni? Non, moi non plus, je l'ai pas la petite main là, c'est. Non, je l'ai pas. J'ai Normal, pas sauvegardé. tu l'as mis sur le logo en fait. Oh! C'est sign in tout court. Ok. Et du coup, on va réorganiser ça. Ok. Ah, c'est mieux. Voilà. Bon, bah voilà. On a fini cette landing page. Oh la Landing vache. page. Bon, c'est gentil, Morphiche. Dis que ça va, on avance. Bon, Bah, plus de connexion. Bah, du coup, je pense qu'on va peut-être on va peut-être arrêter là. Là, on est aux ouais, 2 heures, non? moi je trouve que oui, là on est à 2h10 même. Je trouve Yes. qu'on a. Tu m'as convaincu avec ton histoire de flex là, avec le center et tout. Je pense que ce serait mieux de faire ça plutôt que de faire le truc à l'ancienne avec. Avec les margins et tout. Ouais. Tu veux qu'on fasse le refacto rapide là de passer à flex? Bon, si tu le fais rapidement, ouais, vas-y. Alors, si on le fait rapidement. T'as Lucas qui. Tu veux que je fasse de la pub à Brave, c'est ça? Bah vas-y, hein, parle-en Bah non, je pendant sais que je pas. Est-ce fais que c'est ça. une vraie question ou si c'est juste pour me faire faire de la pub? Parce que si c'est pour me faire faire de la pub, je ne ferai pas de pub.
Bah, franchement, moi je pense que ça vaut le coup d'en discuter, tu vois, de juste au moins expliquer le concept parce que ça Pourquoi sort de j'ai fait le l'ordinaire. choix? En fait, le Firefox Quantum, il est vraiment bien. Il y a plein de trucs qui sont mis par défaut. Sauf que la gestion des profils, elle n'existe pas en fait. Tu peux créer des profils et tout, mais en fait, ça reste des fichiers sur le disque. Et c'est quand tu démarres ton Firefox, tu dis prends tel truc ou prends tel truc. Alors que sous Brave, en fait, si tu te mets là, tac, tu vois, là, je suis sur perso, j'ai Node.js, j'ai aussi Zenica ici, là. Et en fait, j'ai tous mes profils et je peux juste cliquer dessus et voilà, ça garde mon profil et j'ai directement les fenêtres avec les bons trucs. Et je sais aussi en regardant l'avatar que sur quel profil je suis. Sinon, j'aurais fait du Firefox. C'est vraiment le seul truc qui m'a gardé. Il est basé sur Chromium, tout à fait. Et il bloque les pubs et tout ça, quoi. Donc après Firefox Quantum, je pense pas qu'il le fait, mais t'as une version de Firefox qui te le fait. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Comment ça s'appelle? J'ai enlevé trop de margin. Ok. Et là, c'est bon. Voilà. Il y a plusieurs Firefox. Firefox Focus, voilà. Firefox Focus, c'est la version de Firefox avec tout ce qui est blocage du tracking, du cross-tracking, etc. Mais moi, j'utilise Brave aussi partout sur mobile. J'utilise pas Firefox Focus. Après, j'aurais pu utiliser Firefox Focus. Mais sous desktop, j'ai besoin de mes profils. Je sais pas si Firefox Focus existe en desktop ou pas. Salut Remo. Du coup, ah ouais, ce que tu dis là de pouvoir lancer une requête post et que tout le monde reçoive la réponse, ouais, ça ressemble beaucoup plus à du WebSocket en fait, de pouvoir s'inscrire à un channel de message. Tu devrais regarder du côté de Socket.io. Donc voilà, du coup là j'ai fait le refacto pour qu'on passe par pour pouvoir tout le temps centrer le contenu en fait dans la page. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant que Charlie il expliquait pour Brave? J'ai rajouté un display flex sur login page, j'ai rajouté un align items pour centrer verticalement mon contenu align item center. Pour centrer horizontalement, j'ai mis un justify content center. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis le text align qu'on avait mis initialement, mais du coup, cette fois-ci sur login page content, qui est mon wrapper qui vient contenir le contenu de la page. C'est un peu nul comme phrase. Et du coup, voilà, là, c'est centré, peu importe la taille disponible. Bon, bah là, après, ça, forcément, ça dépasse, mais on voit bien que, c'est un petit peu plus flexible qu'avec l'implémentation avec le padding qu'on avait mis initialement. Ouais, bah il a raison à Canoa, en fait, c'est que il faut que ton client tu saches en fait que ce soit à partir d'une URL connue, d'où les cores en fait. Mais ouais, je pense que tu peux en discuter avec Akanoa, il a l'air de s'y connaître sur le sujet. Moi, j'ai pas très bien compris la question, mais Bah, a priori, il a une requête post et il veut que. ah, mais à toutes les personnes qui ont lancé une requête post, je comprends pas en fait ce qu'il veut dire. Bah, je pense que c'est le même principe que du WebSocket, c'est une fois que tu as C'est fait une pas très première clair. requête, tu es connecté. Ok. Bon, on va peut-être passer à un petit récap, Charlie, non? Vas-y. Ok.
Du coup, déjà, enfin, récap, c'est plus conclusion du stream, hein, parce que je pense qu'on va, on va s'arrêter là. Ça fait, on a dépassé les 2 heures qu'on avait dit initialement. À chaud, là, ceux qui ont des remarques, des conseils, peu importe, hein, est-ce que vous avez bien aimé, on est ouvert à tout commentaire. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. On essaiera d'en tenir compte là sur les futurs streams et tout pour essayer de s'améliorer. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Bah, on a mergé la roulette. Bon, c'est dommage, on n'a pas fait l'UI de la roulette parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais du coup, chose qu'on avait annoncé la dernière fois qu'on ferait du React et qu'on n'avait pas fait parce qu'on n'avait pas eu le temps, au moins cette fois-ci, on a fait du React. Ouais. Ah, ça Ah, fait merci plaisir ça. ça. Ouais. Parce qu'on s'était, tu sais, qu'on s'était vachement posé la question en fait au moment de commencer le projet. On s'est dit, est-ce qu'on cède à la facilité? Enfin, la facilité, non, parce que c'est compliqué de parler en anglais, mais on s'est dit, ah bah, si on parle en anglais, on touchera un public plus vaste. Et en fait, on s'est dit, bah, plutôt que se mettre une double difficulté, et puis bah, il n'y a pas forcément, comme tu le disais, beaucoup de contenu en FR, donc on s'est dit, allez, on le fait en français. Du coup, c'est cool si ça te plaît. Gifle la niche. Et Après, puis là, ce qui est bienvenue parce qu'on t'a dommage, pas vu tout à l'heure. c'est qu'on n'a pas avancé plus que ça. Donc. Bah, on a quand même fait toute la landing page. Oui. Mais ce qui aurait été idéal, c'est qu'on arrive à faire la page de sélection des préférences. Bah, ce sera le sujet du prochain stream, du coup. Ouais. Enfin, l'idée c'est qu'on a fait pas mal de code jusqu'ici et du coup pas beaucoup d'interface et l'idée c'est plutôt que d'aller plus loin dans le code, avoir l'interface qui va avec, histoire d'avoir un truc qui soit plus complet quoi. Plutôt que d'avoir toute une partie et après avoir tout le reste à faire quoi. Essayer de rééquilibrer la balance. D'ailleurs, tu vois, toi, tu as l'impression qu'on va lentement. Ce serait pas mal d'avoir un retour là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce que vous pensez du rythme en fait? Donc Loukous, il dit que c'est pas grave d'avancer tout doucement. On explique bien, on interagit. Alors ça, on a essayé d'y faire attention cette fois-ci parce que la dernière fois, on nous avait dit d'essayer d'interagir un peu plus avec vous. Donc on a essayé de faire ça. C'est mieux que les streams de test. Ok. Ouais. Moi, je préfère les streams de test. À quand la suite, Nesken, comme il dit Lucas, on essaie une fois par semaine. Alors initialement, on s'était placé sur un créneau le dimanche, mais on n'arrive pas trop à le tenir pour Bah, faut être de dispo au même multiples moment, en raisons en fait. fait, hein. Ouais, c'est ça. C'est Et tout. du coup, bah, on essaie une Après, fois par semaine. proposer des PR, ça dépend sur quel sujet en fait. Parce que malheureusement, il y avait une personne qui nous a fait une PR. Ouais, c'était Mais super sympa. c'était super cool, sauf que c'était beaucoup trop tôt en fait. Là, je l'affiche sur mon écran, c'était refactoring l'architecture. Mais en fait, on fait tout au fur et à mesure. Et du coup, ça. Il partait, il proposait un truc que lui il avait l'habitude d'utiliser, mais en fait c'est pas forcément la direction dans laquelle on va aller. Donc c'était beaucoup trop tôt. Alors après j'espère que ça l'a pas Bah en fait, vexé ou la règle, c'est plutôt qu'on veut que 100% des nouvelles choses soient faites dans le stream, justement, pour que les c'est personnes ça. qui suivent au fur et à mesure, elles ratent pas, en fait, du contenu. Par contre, sur du contenu déjà existant, il n'y a pas de problème pour Ouais. proposer des améliorations, mais que sur des choses qui existent déjà dans l'application, pas des nouvelles fonctionnalités. Après, Charlie, il en parlait un peu plus tôt, on a eu quelques contributions. On essaiera pendant le Hacktoberfest, si on peut, d'ouvrir des petites issues sur le code qui existe déjà, pour que vous puissiez nous proposer des PR si vous voulez faire votre Hacktoberfest sur Père Roulette. Ouais, sachant que sur le projet, donc il y en a une qui a été prise là. Enfin, il y en avait deux, il y en a une qui a été réalisée, une qui a été prise. Et sinon, si vous allez sur les projects, on a un MVP en version alpha là où on a tous les trucs. Voilà, où Bah vous attends, avez on peut l'avancement, la partager le progression du lien. projet. Ah oui. Je vais le partager.
Tu peux en parler pendant ce temps-là. Bah, en gros, c'est la semaine dernière, on a créé quelques petites issues pour voir nous-mêmes où on en était et aussi pour que vous puissiez suivre, pour que ce soit plus simple. Donc on a défini un MVP et là on a fait donc recherche d'un pair, passer le user en nom dispo, rechercher un pair, passer le pair en nom disponible. Donc ça on peut dire que c'est done du coup. Bah tiens, et on a oublié de mettre. Et là on avait un truc en in progress. Et j'ai mis un recycle dessus, en fait c'est un réfacto de oula, un réfacto de choisir ses langages préférés pour pouvoir limiter à trois langages et ajouter un ordre de préférence. Yes, j'ai rajouté à Et landing page qu'on a fait ouais. aujourd'hui du coup. On avait oublié de le mettre. Ok. Voilà. Du coup, c'est plutôt Et en to do d'ailleurs le choisir ses langages préférés parce que hop. yes, c'est ce qu'on fera du coup la prochaine fois, je pense. Donc ça vous donne une idée de voilà ce qu'on a prévu de faire pour avoir un MVP. Et l'idée c'est qu'une fois que le MVP est prêt, bah, on va commencer à ouvrir à quelques utilisateurs pour qu'ils testent quoi. Après l'idée c'est quand même de réaliser des vrais pairs. Donc si on y arrive à livrer pendant le Oktoberfest, tant mieux, sinon bah tant pis. Ouais, m'en fiche, c'est sûr qu'on pourra aller plus vite en augmentant la fréquence, mais je pense pas qu'on. Là, à l'heure actuelle, on a déjà du mal à avoir une séance par semaine, donc ce sera compliqué de faire beaucoup plus, je pense. Bah en fait, on irait plus vite en le faisant offline. Mais en Ouais, mais c'était offline, il y a pas le but. longtemps que ce serait fini. Mais l'idée là, c'est vraiment de faire partager ce que nous on est en train de faire. Ouais, et puis l'aventure un petit peu de créer ce side project, quoi. Par contre, ce qu'on pourrait faire pour ceux qui veulent être au courant, on pourrait peut-être se faire un calendrier partagé avec le stream. Ouais. Pour que les gens aient l'information du jour où on va streamer. Qu'est-ce que vous en pensez? Que normalement on a des events sur nos chaînes. Enfin moi je l'ai fait en tout cas. Ah non, moi je ne l'ai pas fait. Ouais moi j'ai fait des events. Il y a Mais quelqu'un qui pour sait faire des events sur Twitch? Ou ça vous parle pas, ou je sais pas. sauf que j'ai oublié de le créer je crois pour celui-ci. Et sinon il y a le blog aussi qui fait un petit journal de bord de tout ce qu'on a fait. Ah, c'est les streamers qui s'en servent, c'est pas les. D'accord. Bon, on va réfléchir à ça. C'est vrai que du coup, comme il disait, je sais plus qui disait à quand la prochaine fois, bah, on va essayer de peut-être trouver un système pour avertir plus simplement tous ceux que ça intéresse. Ok. Bah, merci pour vos retours en tout cas. Et puis bah, c'était cool. Et on vous tient au courant de la prochaine fois rapidement, Charlie, Ouais. je pense. Ouais. Ah oui, sur Twitter, ouais. C'est vrai que vous C'est que pouvez nous suivre. sur Twitter, en fait, on a fait un hashtag paire roulette comme ça. Donc si vous le suivez, bah, du coup vous aurez toutes les infos. Mmh, c'est Suffit vrai. juste de suivre le hashtag, pas besoin de nous follow, vous n'êtes pas obligé, vous aurez tout. C'est vrai qu'on pourrait faire ça aussi. De quoi? Des Ah, extensions il y navigateurs? a... Ouais. À voir. Bon, on va réfléchir à ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui peut être intéressant pour tenir informé. Bon. C'est vrai que vous pouvez nous follow. Comme ça, au moins, vous êtes prévenu quand on lance le stream. Mais vous êtes prévenu sur le moment, quoi. C'est pas en avance. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Est-ce que c'est un projet que vous utiliserez ou que vous êtes curieux au moins de tester? Je pense que oui, sinon vous seriez déjà parti. Ou peut-être juste c'est la réalisation qui intéresse. Oui, Pour le moment, en tout oui, cas. oui. Ok. Donc, coucou, c'est pas peu de chance. Ok. C'est gentil, nous aussi on t'aime. Il va me payer des frites, si. Ok, je pense que c'est un peu tôt. Faudra voir une fois qu'on aura un premier MVP pour voir à l'utilisation, est-ce que ça intéresse, etc. Et avoir des retours.
Ouais, on met du contenu hors stream. C'est pour Ouais. ça qu'on a le blog et qu'on fait tous les réfactors hors stream en fait. Je pense que la question c'était plus généraliste. Bah après, alors comme disait Charlie, on fait du contenu sur le, on fait du contenu sur le blog de Père Roulette. Personnellement, j'ai essayé d'écrire un petit peu d'autres articles sur des sujets un petit peu, bah, toujours de code, hein, mais sur les différents trucs que je suis en train de tester sur le moment. Et c'est de partager aussi peut-être un peu des trucs ouais, que je lis, comme il dit Lucas. Voilà. Et Charlie, bah, toi tu partages aussi pas mal de veille techno, mais pas Moi, mal toi. Moi c'est plus du front et toi c'est pas mal du cloud aussi. c'est tout. Ouais, toi c'est toi t'es C'est généraliste, surtout toi. du partage du contenu, à part sur Père Roulette. Sinon, ça fait très longtemps que j'en fais plus. Je fais que du code sur GitHub en fait. Pas trop d'articles. C'est déjà bien. Ok. Bon bah merci en tout cas pour vos retours et puis bah je pense qu'on va arrêter là. À la prochaine, salut! Ciao.